Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Normalement, oui. Normalement, les choses se passent, comme dirait le groupe Casse-Croûte, avec évidemment l'entourage. C'est une chanson que vous n'avez probablement pas entendue, excepté peut-être les plus érudits d'entre vous. Comment allez-vous, messieurs, dames, pour ce live spécial? Ils sont là, The Boys, les garçons. On va parler de garçons, on va pas par seulement parler évidemment de garçons, on va aussi parler de super. On va essayer de savoir qui est le roi de la série The Boys. Est-ce qu'il y a vraiment besoin, voilà, de poser la question pour savoir à peu près quelle personne sera le roi des rois? Un indice, il est quelque part sur l'écran que vous regardez. J'espère que vous allez bien. Aucun suspense. Si, bah si, si, si. Si, bah il y a Timothy et il y a Ambrosius. N'oublions pas Ambrosius quand même. Hein, oh, mon Dieu. J'ai créé une case dans la tier list, je suis gêné. J'espère que vous allez comprendre pourquoi. Je me rends compte que j'ai pas mis Timothy, mais j'ai mis Ambrosius parce que voilà quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un tel live revenir sur un sujet aussi saillant, ça fait plaisir. Bah c'est cool, mais c'est vrai qu'en même temps ça fait longtemps. J'ai repris à peine cette semaine les lives sur Twitch. On a repris que dimanche, bah, officiellement lundi. Et du coup, là, on est, voilà, on est fin prêt. L'équipe est là pour justement bah, pouvoir être tranquille en retour sur YouTube. L'occasion quand même de rappeler que samedi à 17h, j'ai ma vidéo sur The Boys qui sort. Alors, il y a la D23 samedi, il y a plein de trucs, il y a les events aussi qui commencent ce week-end. L'avantage d'une vidéo YouTube, c'est que vous pourrez la voir n'importe quand. Elle sortira samedi ou dimanche à midi. Mais je ne suis pas forcément sûr que je la laisserai au dimanche parce que je sais que la semaine d'après, j'aurai la vidéo sur Stranger Things. Ça va pas mal charbonner là pendant le mois de septembre. Donc je préfère gagner un petit peu de temps. Nouveau décor, plus de néons. Ouais, alors ouais, bah ouais, en théorie, les néons vont encore plus loin de ce côté-là. Vous verrez dans la vidéo justement sur The Boys où il y a vraiment une belle alchimie plutôt cool. Au niveau de la caméra, rien n'a changé. Pour tous ceux qui n'étaient pas là sur les live Twitch, évidemment, j'avais déjà fait le process un petit peu. Hein. La caméra, rien n'a changé. Juste, j'ai eu l'avantage de, à partir de maintenant, d'avoir le décor beaucoup plus loin. Et comme j'ai un décor qui est beaucoup plus loin que celui que j'avais avant, dans l'ancien, celui que j'avais depuis le mois de janvier, en fait, mon décor était à 20, 30 cm de moi derrière. Là maintenant, il y a 1,50 m, ce qui fait que ça donne un petit peu plus de flou, qui est plutôt saillant, qui est quand même vachement plus sympa, je trouve, que l'ancien. Mais ouais, on a essayé de faire les choses de façon saillante, et on va continuer, évidemment, avec saillance. Et le premier don du jour. Merci beaucoup, Juju. Ça fait plaisir de te revoir. Salut Val, très content de te revoir sur YouTube. Mais pareillement, je suis content de vous revoir tous. Merci beaucoup pour ce don. C'est vrai que ça faisait longtemps. Et quoi de mieux pour revenir, évidemment, qu'en commençant mes rattrapages. Donc, on va commencer avec The Boys. Je peux déjà vous donner le planning. La semaine prochaine, on aura. Alors, cette semaine, on a une tier list spéciale de Boys. Pour l'instant, je suis toujours en France, ouais, Mathéo. Oh, bah, ce ne sera pas avant l'année prochaine si jamais je m'en vais. Donc, on a encore un petit peu de temps libre. Cette semaine, The Boys. Qui dit vidéo sur The Boys dit évidemment tier list autour de The Boys. Hein, ça me paraît logique. La semaine prochaine, Stranger Things. Donc, vous pouvez déjà noter dans vos agendas eh ben, que jeudi prochain, donc pile la semaine prochaine, tier list Stranger Things. C'est comme ça que ça se passe, évidemment. Et ça, je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous d'avoir une petite tier list spéciale Stranger Things qui va arriver comme ça derrière les fagots. La semaine d'après, je suis sur The Terminal List. Donc, on fera un autre live sur YouTube qui n'a rien à voir au niveau tier list. Je ne vais pas faire une tier list de Terminal List. Hein, sûrement que beaucoup d'entre vous n'ont sûrement pas vu la série, puis c'est qu'un one shot. Mais la semaine suivante, il y aura la vidéo sur Better Call Saul. Et qui dit vidéo sur Better Call Saul dira évidemment tier list unique à Better Call Saul. Donc, ça aussi, je pense que ça pourrait être très sympa depuis le temps que les gens me demandent gros Better Call Saul tu t'y mets quand? T'arrêtes pas de nous dire que c'est génial, que tu le mets dans le top, que ça équivaut presque maintenant à Breaking Bad et t'as toujours pas regardé.
La raison est simple, j'ai besoin d'être à fond dedans. Genre, j'en ai parlé hier sur Twitch. J'ai besoin, moi, je sais pas ce que c'est pour vous. On peut évidemment, n'hésitez pas à me donner, votre avis là-dessus. Mais moi, quand je regarde une série, j'ai du mal à regarder plusieurs en même temps. J'y arrive pas. En fait, j'ai besoin d'être à fond dans ce que je regarde et j'arrive pas à regarder plusieurs séries en même temps. C'est vraiment un truc que j'apprécie pas du tout. Je le faisais avec Walking Dead à l'époque parce que tous les lundis il y avait la review. Mais globalement, derrière, j'avais ma série à part, etc. Et je ne peux regarder qu'une série à la fois pour être vraiment beaucoup plus dans le truc. C'est justement pour ça que Better Call Saul, je me le garde pour la fin, puisque bah, j'ai quand même eu des rattrapages assez complets entre les films et puis les trois séries dont on va parler avant, hein, Terminal Lee, The Boys et Better Call Saul. Donc voilà, moi c'est vrai qu'en général, je regarde une série à la fois. Chaque jour, un épisode d'une série. Ouais, je suis un peu pareil. Je suis pas trop binge-watching en règle générale. Moi, c'est plutôt un ou deux épisodes max par jour, histoire de savourer un petit peu quand même. Et salut à mon Sisama. Comment il va, le Sisama? L'homme qui va probablement nous caser le Homelander top tier. Hein. Moi, je connais mon Sisama. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Est-ce que tu pourrais me tier list sur les personnages de Stranger Things? Ouais, comment vas-tu, Gideon? C'est exactement ce que je disais. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain. Dans les agendas, notez-le, jeudi prochain, tier list Stranger Things. Vous allez le voir, puisque, alors on va se mettre quand même une petite musique d'ambiance, une petite musique de fond, histoire de garder, voilà, de garder une certaine dose de folie, parce que j'aime la folie, bah, vous le savez, je suis un trublion, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez voir que dans le lobby YouTube 2 qui est là, j'ai mis 40 personnages. Il y a beaucoup de personnages évidemment qui vont passer. Ils y sont pas tous. J'ai par exemple oublié, je m'en suis rendu compte au moment de l'affaire, mais je pouvais pas reprendre. J'ai par exemple oublié la légende qui est pourtant jouée par Paul Reiser qui était dans Aliens et qui est surtout le médecin qui aide Eleven dans les saisons de Stranger Things. C'est vrai qu'il est dans les. Lui, il est dans les deux séries et comme il est arrivé dans la saison 3 bah, et qu'il n'était pas dans. Tous les trucs que j'ai regardés pour être sûr d'oublier quasiment personne. Malheureusement, il sera pas dedans. Donc les personnages que j'ai oubliés à la fin, j'en parlerai vite fait. Comme ça, au moins, je mettrai un timecode dans je mettrai un timecode dans les commentaires pour vous dire, bon, bah, à ce moment-là, il y a des personnages qui sont pas dans la tier list, mais je continue d'en parler. Sinon, on en a quand même 40 dans le lot. Et je vous cache pas que, eh ben, il a fallu du temps pour que je me les remette tous en tête, parce que au-delà des... On va dire au-delà des 10-12 personnages principaux qu'il peut y avoir dans la série. Derrière, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnages qui n'ont été là qu'un temps très, très défini. Hein, c'est-à-dire vraiment l'espace de quelques épisodes, etc. C'est aussi pour ça que je pense que cette tier list sera intéressante. Puisque, justement, on pourra peut-être passer plus de temps sur des personnages qui en valent la peine. Plus que sur, voilà, sur par exemple, Becca, la femme de Butcher. Ou alors la femme que j'ai mis aussi, la femme de The Deep dans la saison 3, etc. Bon, qui sont pas parmi les personnages, je pense en tout cas, les plus iconiques largement de The Boys. Ah oui, il y a Termite, mort de rire, ça me fume. Ah ben j'ai créé une case, je suis gêné exprès pour ça. Hein. Si vous regardez bien, il y a quand même Ambrosius en pleine action aussi. Hein. Voilà, c'est troisième ligne, première case, on voit Ambrosius. Ce que vous voyez, ce sont les genoux de The Deep. Et ça ne manque pas d'un certain plaisir au secours. Au secours. Et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. On va entendre encore 2-3 minutes avant de commencer, évidemment, s'il y a des nouveaux arrivants. Mais The French est drôle, mais son français est horrible. C'est vrai que Frenchie, bah pour un mec qui est censé être justement Frenchie, le français est approximatif. Mais l'acteur n'est pas français, l'acteur est israélien. Alors on pourra se poser la question de pourquoi ne pas avoir mis un acteur français pour le rôle. Je ne sais pas si dans la série, il se fait appeler le français, est-ce qu'il est réellement français ou pas? T'as vu la Reine d'Angleterre? Oui, ouais, j'ai vu que RIP hein, a 96 ans, 74 ans de règne, il me semble. Ouais, bah c'est le genre de truc, je suis assez d'accord avec deux trois tweets que je voyais. C'était le genre de choses qu'on n'imaginait pas vivre en fait. Comme elle a enterré beaucoup de gens et qu'elle a vécu, vécu, vécu et qu'on a l'impression qu'elle faisait partie des meubles, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire, ah, ça y est. Mais ouais, j'ai vu qu'elle était décédée aujourd'hui, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, Roawin. Au final, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas pourquoi ils ont pas choisi un français à proprement parler, mais l'acteur Tomer Capone, je sais pas comment on le prononce dans sa langue natale, est tellement bon que bon, bah finalement, c'est pas forcément gênant. Au contraire, on va se regarder quand même les catégories parce que
Bah, il va y avoir débat, je pense, autour du conseil des classes et puis sur la fin du top 10. On a la catégorie S avec le roi des rois, la A+, le conseil des 4, le A, fin du top 10, donc ce sera le roi des rois plus les 4, ça fait 5. La fin du top 10, ce sera les 5 derniers qui complètent pour moi le top 10 des personnages de top boys, des garçons. B+, les bons personnages, B, bons mais sous-exploités. Vous verrez qu'il y en aura quelques-uns, je trouve, des personnages qui étaient intéressants, mais qui malheureusement n'ont pas trop été travaillés. Ce sera l'occasion de débattre. C, OSEF total, D, insupportable. Je pense que c'est... Il y a un seul personnage qui arrivera dans insupportable, parce que je peux vraiment pas l'encadrer, mais je pense que c'est et le personnage et l'actrice où j'ai beaucoup de mal. Faites vos jeux. Et E, je suis gêné. Bah vous, quand vous verrez les mecs que je mets dans la catégorie je suis gêné, je pense que vous comprendrez allègrement pourquoi. Bisous à Sisama, évidemment, j'ai vu qu'il regardait la maison des dragons là avec Madame, donc j'espère que l'épisode sera convenable, évidemment, et sympathique. Et merci encore Juju pour le don! Feras-tu un live consacré à House of the Dragon et Rings of Power quand tu les auras rattrapés en mode avis global ou sur une thématique en particulier? Eh bah, ben je ferai les deux. Je ferai les deux, alors rassurez-vous. Pour tous ceux qui se disent, ah, il y a beaucoup d'actualités, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne parle pas ni de Game of Thrones, ni du Seigneur des Anneaux? Alors que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux et l'univers du Seigneur des Anneaux. Il y aura un grand live rétrospectif de l'ensemble de la série le soir de la fin de Game of Thrones. Le soir du dernier épisode, ce sera en octobre, donc j'aurai terminé tous mes rattrapages. Et il y aura une grande vidéo sur une thématique en particulier qui arrivera aussi la même semaine. Donc la semaine de la fin de Game of Thrones et la semaine de la fin du Seigneur des Anneaux, il y aura une vidéo à chaque fois sur le sujet accompagnée d'un live. Donc on fera les deux. Là, c'est juste que j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de rattrapages à faire. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rattrapages qui se sont focalisés en même temps. Il y a tout le nouveau studio aussi qui est là, que vous pouvez voir et sur Twitch et sur YouTube et que vous verrez en vidéo. Avec deux angles de caméra différents, donc ça a été très long à faire, mais évidemment ça m'a pris du temps sur le rattrapage de House of Dragons, etc. Mais en tout cas c'est prévu. Il y aura des reviews de la 11C de Walking Dead. Jamais de la vie, c'est mort. Non. Non, j'en ai fini. Et alors, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que tu feras des reviews de Tales of Walking Dead à la fin? Est-ce que tu feras la série avec Rick et Michonne? Non, parce que je considère en vrai que... ils se foutent de notre gueule, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même des mecs qui, à un moment donné... te font croire à des films pour au final te faire une mini-série ou des trucs ou des machins. Non, je trouve que c'est assez scandaleux. Tales, apparemment, c'est nul à chier de toute façon, donc c'est pas trop gênant. De ce que j'ai compris, c'est à peu près le niveau de Supergirl en termes d'effets spéciaux. Donc, non, c'est pas le but. Si tu veux des sous, fais des lives. si tu veux de la maille, fais des lives Game of Thrones. Les lives Game of Thrones, ils seront là. Hein. Ils seront là à la fin. Une fois que la série sera terminée, il y aura un live sur Game of Thrones. Peut-être même qu'il y en aura plusieurs, mais il faudra attendre la fin de la série. Peut-être qu'il y en aura un ou deux la même semaine, et pareil pour le Seigneur des Anneaux avec une vidéo, mais il faudra attendre la fin. Et merci mon Soul pour le don, merci beaucoup, vous connaissez mon style. Est-ce qu'elle marche ici, les alertes? Ouais, je pense, hein. Ça fout les frissons, ce genre d'événement, à consommer sans modération, c'est un peu régal. Un petit peu comme The Boys. Ah là c'est Twitch qui reprend le dessus sur YouTube. Calmons-nous, il y a mon Lucas Simard qui est là, il y a que du beau monde, c'est merveilleux. Alors, commençons donc cette tier list spéciale The Boys, les garçons, et on commence fort. Comme vous pouvez le voir, on va commencer par... on commence par un... Ah putain, le mec, je pense, le plus paumé de l'histoire des séries télévisées. Et Dieu sait pourtant qu'on en a connu, hein, des personnages qui étaient assez particuliers. On commence avec l'homme poisson, qui, excusez-moi, mais arrive direct, en fait, dans le top 10. C'est ce que je disais, c'est Saitama. Il manquera sûrement des personnages, on leur parlera à l'après. J'ai fait les 40 principaux par rapport à ce que tous les sites internet, etc. me donnaient aussi, par rapport aux recherches, etc. C'est les 40 qui sont passés en premier. Il en manquera peut-être un ou deux, on le fera à la fin, mais en tout cas, il n'en manquera pas tant que ça non plus. The Deep, obligé, je pense, d'être dans le top 10. C'est un personnage qui est indispensable à The Boys.
alors qui est responsable quand même d'une dose d'humour involontaire absolument extraordinaire. Mais je trouve que l'écriture de Deep, elle est très 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 intéressante. C'est typiquement le genre de personnage complètement matrixé, complètement, comment vous dire, au service de la machine, hyper naïf. D'ailleurs, il se fait, enfin, je veux dire, que ce soit dans sa secte, ou que ce soit le Homelander, ou que ce soit sa femme derrière, c'est quelqu'un qui a quasiment aucune opinion propre. Enfin, c'est un suiveur invétéré. Et ce que j'aime bien, moi, du côté de l'homme poisson, au-delà des frasques avec Ambrosius, Timothy, et du fait qu'il soit effectivement très drôle, parce que c'est un personnage qui, globalement, dans l'ensemble des trois saisons, devient de plus en plus comique. Mais c'est un comique par exaspération, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, tu te dis, mais gros, mais où est-ce que vous allez arrêter avec lui? Mais quel clampin, il est nul! Donc faut le reconnaître, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est, même au sein des sets, etc., bon, il ne sert quasiment à rien, mais il est même pas neutre, Gideon, c'est un suiveur, en fait, il prend le parti de celui qui va gueuler le plus fort, c'est un peu le loser, voilà, c'est exactement ça, Roawin, c'est le loser des sets, c'est même le loser hors set, hein, puisque même à l'époque où il n'était pas des sets, c'était un loser, mais justement, c'est ça qui est hyper intéressant avec lui, c'est qu'il est super bien écrit. Il est vraiment bien mis en scène. L'acteur, je le trouve génial. C'est pas parce que sa voix française ressemble à... Enfin, la voix française est la voix de Jake Gyllenhaal. Donc c'est vrai que ça... Moi, il y a des airs de temps en temps où je trouve qu'il a des airs à Jake Gyllenhaal, mais c'est aussi parce que sa VF, c'est la même VF. Mais même en dehors de ça, je me suis dit que un Jake Gyllenhaal aurait pu largement jouer ce genre de rôle-là aussi à contre-emploi. Et c'est la représentation. Il y en a d'autres, des personnages comme ça. Je trouve que, par exemple, The Deep ressemble beaucoup à Ashley. Des personnages complètement gangrénés en fait par le système, qui suivent le système, qui n'ont aucun amour propre. Encore est-il qu'Ashley, on verra dans la saison 3, qu'il y a des fois où elle essaie de faire des choses bien, notamment sauver Maeve à la fin et supprimer les dossiers ou des trucs comme ça. Lui, il est vraiment... voilà, il faut absolument... Enfin, moi, il y a une image qui me revient dans la saison 3 où il est en train de pleurer parce qu'il a tout perdu. On est en train de raconter des tas de saloperies sur lui, comme toujours. Et puis, sur son mur, il y a lui et le Homelander. Parce que je pense que le Homelander, il a tellement envie d'avoir son appréciation... il a tellement envie d'avoir son appréciation, voilà, comme dit Saul, qu'il en oublie complètement sa dignité. Et dans une série comme The Boys, c'est hyper important d'avoir un personnage comme ça. Et merci Gideon pour le don, petit don vite fait, une tier list sur Euphoria. En vrai, on pourrait, quand la saison 3 sortira, si ça vous tente, ouais, pourquoi pas. Parce que vous savez que moi, Euphoria, j'adore, en plus, voire même avant, ça peut être une bonne idée, ouais. Des tier list, de toute façon, je sais que vous aimez bien. Les tier list personnages, etc., pour moi qui aime bien l'analyse de personnages, je trouve ça plutôt cool. Alors le problème, c'est que là, on peut pas faire d'analyse, il y a 40 personnages à faire en 2 heures, il y aurait tant de choses à dire sur tous, mais je trouve que c'est intéressant, donc pourquoi pas, ouais. C'est même pas tout pour les 7, Soul, c'est tout pour celui qui tient la laisse. Il y a un rapproché entre The Deep et Frenchy qui est intéressant. Frenchy réussit à s'émanciper de tout, alors que l'homme-poisson ne s'émancipe de rien. Lui, il embrasse clairement le neck plus ultra en espérant réussir à se faire une place et à être apprécié par lui-même. Mais ça reste... Il est perdu, ce garçon. Il est perdu. On passe à la suite avec... Pour l'instant, il va rentrer dans la catégorie bon personnage. Black-Noir. Black-Noir qui est pour moi, pour être honnête, le meilleur personnage qu'on voit peu dans la série. On ne le voit quasiment pas, parce qu'il a très peu de temps d'antenne, dans les trois saisons. Je trouve qu'il y a un côté vachement mystique autour de Black Noir, et dans la saison 3, toute l'imagerie qu'il y a autour de lui, tout ce qui va être de l'ordre des dessins qu'il va voir, etc., qui vont être capables de lui parler, enfin on sent que lui il a une case en moins, une amitié qui est réelle le développement de l'amitié qui est réel avec le Homelander est hyper intéressante. Et c'est vrai que toute sa tragédie, finalement, dans la saison 3, où on apprend un petit peu ce qui lui est arrivé à l'époque où il était chez les Revengers, donc chez les Revengeurs, je crois qu'ils les appellent comme ça aussi en VF, je trouve que c'est hyper pertinent. Et justement, d'un très peu de choses, d'un très peu de temps d'antenne, on arrive vraiment sur un personnage qui est indispensable. L'une des scènes qui m'a le plus marqué dans la saison 3, c'est... Alors, il y aura des spoils. Attention, effectivement, hein, c'est un live avec spoiler, puisque la saison 3 est sortie il y a un petit moment. Donc, quittez si jamais vous voulez pas être spoil. L'une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est la mort de Black Noir. Parce que dans la mort de Black Noir, le retour de Black Noir pour aider le Homelander
en mode il va falloir tuer le petit soldat et allez c'est terminé de se cacher, on va y aller. Et derrière il fait une crasse à celui qui est considéré comme son meilleur ami, puis on s'en doute. Dès le moment où le Homelander se rapproche de lui, il lui met la main sur l'épaule, on sait que c'est fini pour lui. Mourir par son meilleur ami, qui pourtant Homelander n'a aucun sentiment profond, si ce n'est lui-même. Parce que moi je trouve que le Homelander, il est, comment te dire, je suis pas sûr qu'il aime personne à part lui-même. Et peut-être son fils. Mais il dit qu'il aime beaucoup de gens, qu'il a besoin d'amis, etc. Je suis pas forcément sûr qu'il aime personne à part lui. La différence, c'est que Black Noir, je pense qu'il y avait une vraie amitié. Et ça, on le voit aussi. C'est mon pote Kenny, que Lucas connaît, si Lucas est toujours là. C'est mon pote Kenny qui m'en a parlé, puisque lui aussi est un gros fan de The Boys, en me parlant de la mini-série animée. Puisqu'il y a une mini-série en dessin animé qui est sortie sur l'univers de The Boys, où justement on voit le dernier épisode, c'est sur le Homelander qui fait ses gammes. Au début, c'est encore un personnage qui est gentil, qui se cherche, même s'il a des sacrées zones d'ombre, et c'est Black Noir qui va l'aider, qui va lui sauver la mise, etc. Il aimait Stormfront et Stillwell. Ah, Stormfront, oui, peut-être. Mais Stormfront, on voit dans la saison 3 que. Même pas. Je pense que ce qu'il aimait en Stormfront, c'était que Stormfront, entre guillemets, aimait ou faisait croire au Homelander qu'elle l'aimait. C'était ce côté-là très toxique que le Homelander aimait bien. On voit dans la saison 3 que le Homelander, quand Stormfront elle meurt, ou même en règle générale, quand elle est là, il s'en fout. Il lui dit, bah c'est mon anniversaire, t'as oublié, machin, nanani, nanana, bon on s'en fout. Voilà, c'est un peu le mentor, voilà c'est ça, ouais. C'est un peu, c'est exactement ça d'ailleurs, c'est lui qui lui apprend ses gammes et tout. Et c'est le mentor du Homelander. Et je trouve que cette ambition-là, elle est vachement bien respectée dans la saison 3. Et d'un personnage quasiment invisible qu'on voit pas, il y a quand même une dramaturgie autour de lui qui est intéressante. Et je trouve ça hyper pertinent, quoi. Donc Black Noir, très bon personnage, malgré le fait que, voilà, on le voit très peu. Je bois une gorge sèche, parce qu'à mon avis, là, je sais pas, mais ça va être tout ou rien. Stella Starlight, c'est ça? Bah écoutez, il y a une case rien que pour elle. Je ne supporte pas... Mais alors, vraiment, je ne peux pas blairer Stella. C'est de pire en pire, au fur et à mesure des saisons. Je ne supporte pas son traitement. Je ne supporte pas ce qu'elle représente. Je trouve le personnage extrêmement niais. J'ai du mal avec l'actrice aussi, que je trouve très, très monolithique. Et par rapport à tout ce qui peut se passer, etc., je trouve que ce soit l'actrice ou le personnage ou la manière dont c'est écrit, à aucun moment, en fait, à part quand elle fait une couille au Homelander, en enregistrant un petit peu la conversation avec lui par téléphone quand il est en train de menacer tout le monde, ce qui n'a pas d'impact au final, parce que le Homelander sort gagnant de la saison. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas forcément utile. Vraiment, hein. Qui n'a pas de charisme particulier, pour lequel je n'ai eu aucune empathie particulière. Sa relation avec Yui, je la trouve vraiment insipide. Le problème, c'est que même Yui, en fait... Alors, quoi que Yui seul, ça va. C'est vraiment dans sa relation avec Stella où j'ai un peu de mal. Vraiment. Elle est importante, je dis pas le souci. Là, après... C'est une tier list subjective, donc toute tier list est subjective de toute façon. Là, c'est moi, mon ressenti. Après, il y en a où j'essaie d'être un peu plus objectif que d'autres. Mais là, pour le coup, c'est vrai que Stella, c'est vraiment le personnage où chaque péripétie en fait, qui la concerne, je trouve il manquait vraiment un apport important, quoi. C'est la seule vraie héros. Et c'est peut-être pour ça que c'est chiant. Je pense que justement, je suis assez d'accord. Si c'est vraiment la seule qu'on pourrait qualifier de super-héroïne, la seule qui a un impact positif, la seule qui ose faire les vraies choses, parce que ça, c'est vrai. Tout ce que vous dites sur le personnage, c'est vrai. L'écriture du personnage est intéressante. Je pense qu'en termes de développement narratif, en termes d'acting, il fallait quelque chose de beaucoup plus fort. En fait, Stella, si vous voulez, c'est un peu ma Jon Snow. C'est comme Kit Harington, c'est-à-dire que moi, le personnage, déjà, je le trouve assez insupportable, mais en plus, si tu me mets un acteur, alors c'est même pas qu'il me revient pas, c'est que je trouve qu'il ne dégage rien par rapport au reste, je trouve que Black Noir est plus charismatique que Stella. Black Noir, on voit son visage une fois et demie, quoi, par exemple. Et c'est justement le fait qu'on voit pas son visage qui le rend charismatique.
D'élite faciès? Non, pas du tout. Ah non, bah non, bah non, non, ce serait mal me connaître. J'ai rien contre... Je veux dire, c'est pareil pour Kit Harington. Je fais pas un délit de faciès de Kit Harington. Juste, c'est je trouve que c'est des comédiens qui sont pas au niveau du personnage qui s'interprète. C'est-à-dire que le personnage a tellement d'allure et a tellement d'importance que je suis pas forcément convaincu que c'était le bon choix. Je dis pas que c'est une mauvaise actrice. Kit Harington, je dis que c'est un mauvais acteur. Stella, je dis pas que c'est une mauvaise actrice, parce qu'il y a des phases où elle peut être intéressante. Mais non, j'ai jamais vraiment réussi à accrocher. Et je m'en suis rendu compte au moment où elle a commencé à se rapprocher du Homelander dans la saison 3, quand il y avait leur petite dualité entre les deux. Ça matchait pas non plus. Chaque scène avec le Homelander, pour moi, transcendait la série. Et pourtant, même celle-là, je salivais de voir où est-ce que le Homelander allait pouvoir aller encore plus dans la sauvagerie, etc. Mais j'avais du mal avec le côté très passif, en fait, du personnage de Stella, qui, pour moi, dans l'écriture, aurait peut-être dû changer de camp depuis très longtemps. Hein. Stella, c'est son nom en VF, parce que c'est Annie ou Starlight. Ils l'appellent tous comme ça. Enfin, c'est Stella. Je crois que Stella, à mon avis, c'est son surnom pour Starlight. Il y a Starlight, Stella, Annie, son vrai prénom c'est Annie, ouais, elle le dit à la fin de la saison 3. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à l'appeler Stella, Starlight, Annie nettement moins, mais on l'a beaucoup moins entendu. Et puis j'ai beaucoup regardé en VF aussi, parce que quand tu vois la qualité de la VF, entre Jerome Powells et le reste, c'est quand même assez incroyable. Ce qu'elle représente est positif, mais trop niais pour ce monde où il faut tuer ou être tué. Bah c'est ça, Juju, merci pour le don, ouais. Ouais, non, moi, J'ai du mal avec son jeu, j'ai du mal avec ses réflexions, j'ai du mal avec ses choix, j'ai du mal avec la compréhension du personnage, sachant que Yui, c'est un personnage que j'aime bien. Par exemple, j'ai du mal avec le traitement du personnage de Stella, qui, je trouve, n'arrive pas suffisamment à comprendre Yui et reste très, très égoïste et très, malgré tout, quand même, imbue d'elle-même. Je trouve que c'est quelqu'un qui, effectivement, paraît pour l'archétype de la super-héros par excellence, mais qui, où il manque cette touche de saveur, en fait, qui la rend, pour le coup, dans les prises de décision qu'il fait, en tout cas, à mes yeux, assez insupportable. La VF de Karl Urban, la VF de Karl Urban, ouais, elle est extraordinaire. Après, la VF de Karl Urban, Brad Pitt, Keanu Reeves, tout ça, enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Après, voilà, bon, je sais qu'il y en a qui sont pro-VO, pro-VF, moi, j'ai regardé les deux. J'ai regardé la VO et la VF. Moi, j'aime beaucoup la VF. C'est vrai que quand t'entends le protecteur, le petit soldat, les trucs, les machins... Le petit soldat. Je crois que le petit soldat, c'est ce qui m'a le plus marqué. Genre en mode Soldier Boy. Bon, bah, c'est vrai que techniquement, c'est la représentation exacte. Mais alors, va dire que ton personnage s'appelle le petit soldat. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Mais la VF, pour le coup, est excellente. Après, ils traduisent de la manière dont ils doivent traduire. Mais je trouve que la VF, c'est une des meilleures VF actuellement dans l'univers des séries télé. C'est The Boys. Indubitablement. Et j'ai réussi à dire le mot indubitablement, c'est vraiment pour vous dire qu'elle est bien. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La VO, évidemment, indispensable. Mais là, pour le coup, sur le vrai travail des VF, je vous dis, The Deep, c'est la voix de Jake Gyllenhaal. On a quand même Thierry Desrose, la voix de Samuel L. Jackson sur Gus, comme d'habitude. On a la voix de Michael B. Jordan sur A-Train. On a la voix de Goran Wisnik, hein, qui est tout au bout de la liste actuellement. C'est aussi la voix de Heath Ledger, c'est aussi la voix de Michael Kyle. Enfin, non, la VF est vraiment excellente. La VF de Laurie de Walking Dead, donc de Laurie Holden, c'est la même. Enfin, non, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc ouais, pour moi, Stella, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai trouvé insupportable, difficile à regarder, notamment sur des sections dont j'étais pas forcément fan narrativement, et à qui il manque quelque chose. La femme de The Deep, dans la saison 3... La logique voudrait qu'on dise qu'elle est un peu Osef, parce que quelque part... bon, c'est vrai qu'elle a pas une consistance folle, hein. Elle a très peu de temps d'antenne. Et pourtant, je trouve que c'est un bon personnage, peut-être un brin sous-exploité, parce que justement, il va falloir qu'elle fasse encore ses preuves et peut-être qu'elle ira encore plus loin dans la saison 4. Mais j'aime bien justement ce qu'elle apporte du côté de The Deep. C'est-à-dire que The Deep, c'est quelqu'un qui était matrixé par les 7, après matrixé par une secte, maintenant matrixé par matrixé par le pouvoir féminin. Alerte générale!
Ceci est une alerte féministe de niveau 67. Gardez votre calme. Non, tout ce que je veux dire, c'est que, bah, il est, étant donné que The Deep est extrêmement niais, extrêmement naïf, il est complètement manipulé par ce pouvoir-là, qui est pas, comment dire, le pouvoir féminin à proprement parler, évidemment, mais qui est le pouvoir de l'amour et de la manipulation intensive sur quelqu'un qui connaît exactement tous les défauts. Moi, je pense qu'à aucun moment donné, elle est véritablement amoureuse de lui. Je pense que c'est l'appât du gain, en fait, l'appât de elle se positionner par le biais de The Deep, qui pour elle est intéressant, là où lui, justement, peut-être attaché à elle quand même, moins qu'à Ambrosius, c'est évident, mais voilà. Elle veut la célébrité, elle veut le spotlight, elle termine par écrire un bouquin, elle termine par avoir ce qu'elle désirait, et encore une fois, celui qui se retrouve au bord du gouffre, c'est The Deep, comme d'habitude. Elle se sert de lui tout du long, et c'est ça, je trouve, qui en rend un personnage quand même intéressant, assez sous-exploité pour l'instant, mais qui sera exploité par la suite, je pense, au cours des prochaines saisons, mais qui est la représentation de ce monde, en fait, ce monde de salopards, où on est dans un monde hyper brutal, hyper violent, hyper manipulateur, et il y a des protagonistes comme ça, qui sont... fer de lance, en fait, de ce genre de schéma. Elle est fer de lance de schéma par le biais de The Deep, et c'est ça qui le rend intéressant. A-Train ! On continue du côté des 7. Bon personnage, A-Train. Pour l'instant, je le mets pas dans le top 10. On verra. Comme vous le savez, comme je fais à chaque fois que je fais des tier list, hein, y a plus de personnages en dessous pour en remonter par la suite si jamais il y a besoin. A-Train, c'est un très bon personnage. C'est vraiment un bon personnage, un bon développement. Et une question que j'ai envie de vous poser quand même, parce qu'on sent de plus en plus que ça va être le cas, mais il y a toujours possibilité que finalement, il soit trop faible pour réussir à s'en sortir. Est-ce que pour vous, A-Train pourrait faire ce qu'on appelle un face turn au cœur donc de The Boys, et c'est-à-dire devenir un protagoniste? Ne plus être un méchant, comme il l'était dans les premières saisons, ne plus tomber dans la drogue et dans toutes ces choses-là, mais réussir vraiment sa rédemption, réussir son pardon, et au fur et à mesure des prochaines saisons, devenir peut-être un vrai super-héros. Qui est vraiment, pour le coup, par rapport notamment à l'accident de son frère, quelqu'un qui prendrait les choses à cœur, qui prendrait les choses au sérieux, et qui lutterait pour des causes nobles, peut-être la cause afro-américaine, etc. Ça, pareil, c'est génial dans The Boys d'amener ça, mais... pas le foutage de gueule, mais eux, ils le font en mode foutage de gueule, mais c'est parce que c'est très, très, très polémiste. Et encore une fois, c'est très barré. Tous les trucs autour de Black Lives Matter et A-Train, etc., où tu sens qu'au début, c'est vraiment montré comme simplement une image marketing, comme malheureusement, en fait, ça a pu être dans la vraie vie, pour ensuite terminer sur quelque chose de vrai, c'est-à-dire... A-Train qui prend conscience de la vie des Afro-Américains, qui prend conscience de ses racines, de sa nature, notamment vis-à-vis de son frère aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ajouté ça. La scène où il s'excuse face à Yugi, on le sent très sincère. Il est sincère à ce moment-là. Il est sincère à ce moment-là. Moi, je pense que c'est un personnage qui mérite une rédemption. Il part de très, 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 très loin. Hein. Son jeu vidéo sur l'esclavage. Ouais, voilà, tu sens que là, c'est vraiment, encore une fois, The Boys qui va très, très, très loin et tout pour le foutage de gueule. Mais d'un autre côté, c'est tellement bien fait. Enfin, c'est tellement... Voilà. Je n'arrive pas à oublier comment il tue sa copine dans la saison 1 avec les seringues. Ah bah, il y a beaucoup de choses. L'égoïsme et le... Bah, on le voit, par exemple, quand il va trahir Stella et comment il s'appelle l'ex de Stella dans la saison 3. Celui qui vient et qui se fait buter tout de suite par le Homelander. Il passe 2 jours chez les 7, il est déjà mort. Mais tu vois que A-Train finalement termine par les trahir. Supersonic, voilà, c'est ça, ouais. Il les trahit parce qu'il pense avant tout à lui, à sa sécurité, etc. À la base, se rapprocher de sa culture, c'est aussi histoire de se remettre parce qu'il peut plus courir. Donc il se dit, bon, je vais essayer de garder ma place au sommet en faisant des choses qui peuvent me rapprocher des dents. Il y a un côté toujours, encore et encore, très très calculé. Mais plus la série passe, plus vraiment je pense ce rendement qui est un rendement de rédemption. Et c'est ça que j'aime bien chez A-Train. Et je pense vraiment qu'il aura l'axe de rédemption qu'il pourra avoir au fur et à mesure. Et salut aux UNDS, comment vas-tu? Je suis un grand fan de toi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, bienvenue. On passe à... alors, comment elle s'appelle, elle? Oh, ça, c'est glauque aussi. Hein.
Je sais même pas comment l'appeler. C'est quoi son nom? Je crois que c'est. Il me semble que c'est Madeleine. Je crois que c'est Madeleine. Madeleine ou Madeleine? Je sais plus comment ils l'ont traduit en VF. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Stilwell, voilà. Oui, c'est Madeleine Stilwell. Bon personnage. Bah, hyper important. Alors, elle, pour le coup, partenaire des produits laitiers, c'est nos amis pour la vie, hein. C'est un personnage hyper important parce que grâce à ce personnage-là, tu vois déjà le vice de chez Vought, mais c'est quand même elle, Stilwell, qui va 90% du temps travailler le Homelander dans les deux premières saisons. Que ce soit dans la saison 1 ou que ce soit dans la saison 2, le Homelander ne serait pas le Homelander aujourd'hui et n'aurait pas eu autant de scènes percutantes si elle n'avait pas été là pour voilà, le mettre sur un piédestal extraordinaire. Je pense même à la scène avec le changeant. J'ai oublié de le mettre d'ailleurs dans la tier list. Le personnage qui peut changer de forme, etc., qui va prendre l'apparence de Stilwell pour calmer le Homelander, parce que le Homelander a besoin de continuer de l'avoir, qui va continuer à boire du lait maternel. Oh ouais, quand il boit sur les maternelles dans le frigo, là, les trucs comme ça, là, c'est putain, bah, c'est violent. Mais c'est voilà, c'est quand même quelque chose de fort. Sur le côté dérangé du Homelander, sur l'évolution du Homelander, et le genre de personnages qui sont pour moi intéressants et surtout qui méritent d'être dans les catégories des bons personnages parce qu'ils sont hyper utiles dans le scénario, c'est les personnages qui sont capables d'en faire graviter d'autres autour d'eux. Et alors elle, c'est exactement ça. Je veux dire, globalement, elle, c'est exactement ça. C'est le personnage autour duquel va graviter toute la déchéance du Homelander, toute la folie. Elle est capable de l'avoir mis sur un piédestal de fou. Et c'est ça que je trouve génial. Sa mort, d'ailleurs, est hyper violente, à l'image un petit peu de son personnage et de, le, de sa relation hyper torturée. C'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant, quoi. Son rôle politique dans la série est déterminant. Il y a ça aussi, ouais. Après, le rôle politique, bah, il a été repris notamment par les deux personnages qu'on va voir après, là. Que ce soit celle qui travaille avec Yui ou que ce soit Edgar. Donc, l'impact. En fait, ce qui est bien avec The Boys, c'est que tout au long de la série, l'impact politique, il est systématiquement fait par des personnages différents. Il y a un impact politique, impact super-héroïque, impact fondamental au cœur des personnages, et au fur et à mesure, ça change. C'est-à-dire que ça va être d'abord Stilwell, après on va arriver sur Edgar, là maintenant on est plutôt sur le personnage qui travaille avec Yui, l'écraseuse de, enfin l'exploseuse de tête, et tout ça est fait dans une espèce de mind game hyper, hyper costaud, quoi. Et ça leur donne des bons personnages. Ça leur donne des bons personnages. Même si, de mon côté, Gus, pour moi, n'a pas été suffisamment exploité. Au contraire de Victoria et de Stilwell, où là c'est des personnages qu'on a vu énormément, qui ont eu une vraie profondeur. Giancarlo Esposito est un acteur extraordinaire, mais je sais, j'ai eu une impression d'inachevé en fait avec lui. Il arrive au dernier épisode de la saison 1, il est là pendant la saison 2, il est là une partie de la saison 3, il est très important, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose dans. Alors, il reviendra peut-être par la suite, hein, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Il manque un petit peu d'impact. Et d'une vraie. Il a une puissance naturelle. Il a un charisme naturel. Il a une puissance dévastatrice, notamment, puisque c'est l'un des seuls personnages qui cause des problèmes au Homelander. Ça, c'est quand même quelque chose, parce que le Homelander, à l'époque où il est intouchable, le seul qui arrive notamment dans certaines discussions où là, voilà, Anthony Starr contre Giancarlo Esposito, c'est un rêve de gosse, mais c'est extraordinaire. C'est un des seuls personnages qui arrive à tenir tête au Homelander et par certains dialogues à mettre une tension absolument extraordinaire. Donc pour l'instant, c'est la même chose. J'attends de le voir dans la saison 4, mais c'est comme la nana de The Deep, c'est des personnages qui sont bons, il faut qui méritent encore plus. C'est-à-dire, ils pourraient être dans la catégorie B+. Mais ça mérite encore plus parce que quand tu as un acteur du calibre de Giancarlo Esposito, tu peux te permettre encore plus que ça, encore plus de lot de folie. Il peut se permettre de prendre la revanche peut-être sur Victoria, même si c'est lui qui l'a éduqué comme ça. Il y a de la profondeur chez ces personnages-là. Peut-être trop peu de temps d'antenne pour pouvoir monter plus haut. T'as l'impression qu'il en sait beaucoup, que ce qu'il veut nous faire croire. Oui, puis même, il y a même des passages en flashback où on le voit jeune, etc. Donc oui, c'est quand même une figure. Et en tant que figure,
j'aimerais le voir s'élever encore plus. Je pense qu'il est un bras sous-exploité. Et voilà, moi je pense comme Gideon. Je pense qu'en saison 4, il mérite vraiment le potentiel. Au contraire, par exemple, de Victoria, qui pour moi, Victoria est un bon personnage qui, elle, a eu droit à ses grands moments. Je veux dire, quand elle fait exploser le nombre de têtes, etc., rien que le final de la saison 3 est centré sur elle, toute son évolution, toute son apogée, parce que là, elle termine quand même en... Elle termine sur un piédestal, c'est un triomphe pour elle, la fin de saison 3, par rapport aux différents twists qu'on va pouvoir avoir, et par rapport aux différents personnages qui naviguent autour d'elle. Elle est, pour le coup, elle, insupportable aussi, pour le peu qu'on aime certains personnages contre qui elle est, mais elle a un potentiel énorme. L'actrice, pour le coup, je la trouve très juste dans le rôle, et puis elle est surtout hyper importante, quoi. Elle a le pouvoir le plus pété de la série, elle est trop flippante. Bah, le pouvoir le plus pété de la série, je sais pas si on peut dire que c'est un pouvoir pété, elle est capable de faire exploser les gens, quoi. Je veux dire, la scène où elle fait exploser son meilleur pote, membre par membre, ça commence par un doigt, ça termine par un bras, une jambe, et ça termine sur la mâchoire. Ouais, c'est dur, hein. Pas de délit de famille. Mais y a pas de délit. Y a pas de délit. J'aime juste pas Starlight, j'y suis pour rien. J'adore, je trouve que Victoria est un personnage intéressant. J'aime beaucoup le personnage de Stillwell. Juste, j'aime pas Starlight. Ça peut arriver, juste, j'aime pas Starlight. Ah, quand vous allez voir Kimiko, qui va être dans le conseil des 4, vous allez encore me dire d'élite faciès. Et merci Azrael pour le don. Salut Valou, vas-tu mettre la rediff du live sur Eminem et le best de The Boys, c'est Homelander. Alors, je sais pas s'il y a des modos dans le chat ou des équivalents de modos, c'est-à-dire des gens habitués sur Twitch. Si vous pouviez mettre ma chaîne, mon lien le lien de mon Discord dans le chat pour que Azrael puisse y aller. La rediffusion techniquement de mon live sur Eminem et sur la chaîne Twitch. Le problème, c'est que comme c'est que des musiques, ça a été coupé pour droit d'auteur. Ce qui fait que le top 25 des morceaux d'Eminem, il faut que je les note sur mon Discord. Et que je note toute la playlist pour ceux qui sont intéressés par les titres que j'ai mis dans ma playlist. Donc il faudrait que je le fasse sur Discord. Je pense que ce sera plus intéressant pour toi d'aller directement sur Discord. Donc si t'es sur Discord, je vais essayer de le faire ce soir parce que j'ai encore les titres dans mon téléphone. Donc j'essaierai de faire ça sur Discord ce soir ou dans la semaine. Mais ce serait plus sur Discord. Parce que du coup, ouais, c'est vrai que sur le live Twitch... À deux ou trois musiques près, les 30 autres ont été malheureusement coupés pour droit d'auteur. Et merci encore, Juju, pour le don. J'adore cette série, mais je me pose une question. Est-ce qu'on va finir en guerre civile avec un Homelander qui détruit des villes? Alors, ce serait possible, mais le Homelander serait pas seul. Dans l'univers... Alors, j'ai pas lu les comics, donc j'en sais rien, mais dans l'univers de Vought et des Amériques... de l'Amérique, et dans la manière dont les scénaristes écrivent les États-Unis, je me demande si les États-Unis seraient pas derrière le Homelander. Matrixé comme jamais, évidemment. Hein. Hop, on retourne à la tier list. Parfait, c'est bon, on est revenu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc voilà pour le Homelander. Enfin, pour Victoria, le Homelander, on en reparlera encore plus sur la fin, évidemment. Mais ouais, guerre civile, moi j'aurais quand même peur que. Malgré tout, Starlight reste un bon personnage, mais je peux comprendre que tu le trouves insupportable. C'est un peu la Skyler White de The Boys. Ah ouais, sauf que Skyler, je la détestais pas, parce que justement, je trouvais que l'actrice était vachement plus... Je trouvais que l'actrice avait beaucoup plus de charisme, faisait passer beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de choses. Pour revenir rapidement sur Starlight, c'est vrai que pour moi, si elle est insupportable, c'est parce que je trouve que son jeu est insupportable, qu'il n'y a pas de charisme, il n'y a pas d'émotion qui ressort vraiment du personnage, que dans les prises de décision, dans toutes les choses qui arrivent, dans les péripéties différentes, je suis pas forcément sûr que ce soit à chaque fois une plus-value. J'y parlais avec le Homelander, où je trouve qu'il y a quelque chose qui manque pour que ce soit vraiment... prenant par rapport à tous les autres personnages qu'il y a autour d'elle. Et c'est vrai que ça la donne très agaçante, quoi. Même dans sa relation avec Yui ou des choses comme ça, je suis assez déçu parce que je pense qu'avec peut-être une autre écriture et une actrice qui collerait plus au rôle, etc. Après, qu'elle soit très naïve, etc., et qu'elle soit néophyte, d'accord, puisque de toute façon, c'est son but dans la mesure où... elle est nouvelle chez les 7, etc. C'est une néo-super-héroïne. C'est vrai que c'est la marque de l'héroïne par excellence. Mais pour moi, il y a vraiment un truc qui manque, je trouve.
au contraire d'autres. Ou Victoria, par exemple, pareil, dans le personnage, est beaucoup plus insupportable, mais je trouve que l'actrice joue beaucoup plus juste. Voilà. Merci Juju pour le don. Pour moi, le comic, c'est trop gore et trop sale. La série est plus subtile et intelligente. Alors, apparemment, ouais, la série... Dites-vous que la série est quand même pas mal gore et un peu trash. Il y a pas... Bah, Herogasm, il y a quand même pas mal de cul dedans. Et c'est 10% de ce que fait le comics. Hein. Donc, j'imagine même pas la gueule des comics. Donc, la Comtesse Rouge. Bah, je vais pas... La Comtesse Rouge, je vais pas vous dire que... c'est Laurie Holden. C'est une actrice que j'aime bien. Mais alors, voilà, le personnage est tout ce qu'il y a de plus oubliable. Alors déjà, elle disparaît très 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 rapidement, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est là que pour conter un petit peu l'histoire du petit soldat et faire du petit soldat un personnage encore plus important. C'est, voilà, c'est ce que j'aime bien. Alors, vis-à-vis de ce personnage-là, par rapport aussi au petit soldat, j'en parle un peu dans la critique que je vais sortir bientôt. Ce que j'aime bien avec le Comtesse Rouge et les Revengeurs en règle générale, c'est que jusque maintenant, hormis l'appellation Vought Studio, c'était quand même une sacrée satire de DC. C'était quand même vachement estampillé DC avec des équivalents de The Deep, de Flash, de Superman, etc. Alors on attend pourquoi pas peut-être un Batman hein, qui arriverait prochainement, on n'en sait rien. Quoique encore, Batman n'a pas de pouvoir, donc bon, faudrait voir comment ils le font arriver. Si c'est Jeffrey Dean Morgan qui joue un équivalent Batman sans pouvoir, ce serait extraordinaire. Mais je dis ça, je dis rien. Mais voilà, ce que j'aime bien avec la Comtesse Rouge et avec le petit soldat, et ce qu'ils ont fait dans la saison 3, notamment en appelant l'ancien groupe des 7, les Revengeurs, c'est l'arrivée du MCU. Je sais pas si ça vous a fait ça pendant la série, mais j'avais l'impression de voir Superman qui affrontait Captain America. Et je trouve que la combinaison des deux, dans la saison 3, avoir attendu ce moment-là pour combiner les deux, et les deux formes, en fait, des deux immenses socles super-héroïques de l'histoire, les combiner ensemble et en faire une satire commune, un petit peu après la saison 1, il faut le temps que ça se mette en place, avec des personnages importants comme le petit soldat, qui est une caricature de Captain America, homophobe, misogyne, tout ce que vous pouvez, enfin bon, lui qui est vraiment resté la tête dans les années 40, c'est très intelligent. Au-delà de ça, ok, c'est super de revoir Laurie Holden, celle qui jouait Andrea dans Walking Dead, mais il n'y a rien à dire dessus, puisque elle est absolument pas pertinente, quoi. Elle n'a pas de scène à elle, elle a une scène avec le petit soldat à la fin, mais bien trop peu de choses, à mon avis, pour qu'on puisse en parler. J'allais l'appeler Virginia, Fear The Walking Dead. Ashley. Ashley a le potentiel pour arriver dans le top 10. Ashley, quand tu regardes Fear, c'est le jour et la nuit. Pour ceux qui ont vu Fear The Walking Dead, je trouvais que le personnage de Virginia dans Fear était pas loin d'être insupportable. Osef au possible, alors que normalement c'était censé être un personnage important. Et alors très 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 loin... du niveau de l'actrice et de ce qu'on peut imaginer de l'actrice, qui pour le coup est une excellente actrice. Et on le voit dans The Boys dans la saison 3. Plus encore que dans les deux premières saisons, je sais même plus si elle arrive pas que dans la saison 2, je m'en rappelle plus. Mais plus encore qu'avant, là, la comédienne qui joue Ashley est extraordinaire. Le personnage est fantastique. Et alors, moi de mon côté, t'aimes tellement la détester en me disant, mais. Jusqu'où tu vas pomper le système, jusqu'où tu vas toujours là, c'est l'archétype même en fait de l'autorité. Je vais dire, Ashley, c'est un peu comme The Deep, sauf que Ashley, elle est un haut poste. C'est le principe même de cette Amérique qui pue les réseaux sociaux, le marketing, enfin du monde hein, maintenant, parce que malheureusement, vous savez que je suis pas très réseaux sociaux, etc. Mais c'est voilà, c'est pour moi Ashley, c'est amour, gloire et TikTok. C'est vraiment ça. C'est il faut absolument compter les stats, les vues, les trucs, les machins, les pourcentages de réussite, la cote de popularité des trucs. Et c'est une catastrophe dans le monde moderne. Et c'est la représentation parfaite de la catastrophe que devient le monde moderne. Et je surkiffe parce que l'acteur le joue trop bien. Et parce que c'est une autre interprétation de « je suis littéralement sans dignité, sans rien, aux ordres du pognon, aux ordres de cette société ». Et je m'en pourlèche les babines. Et jusqu'au moment où le Homelander commence à faire des dingueries. Puis là, tu te dis, hey, bon, finalement, c'est peut-être un connard. Bon, je le savais déjà, mais là, il commence à me faire chier. Je vais peut-être écouter mon instinct. Et voilà, parce que tu sens qu'Ashley, c'est pas une méchante.
C'est pas quelqu'un de... Comment te dire? Ouais, c'est vrai, Drop One, qu'elle se fait le sous Zack Snyder, la Dawn of the Seven. Mais même cette scène-là, elle est trop bien. Quand elle est dans les chiottes et qu'elle se tape le réal en mode t'es rien, t'es personne, vas-y, crie mon nom. J'avais l'impression d'être dans American Pie, crie mon nom, salope! Enfin, tu vois, tu sens vraiment qu'elle en a rien à foutre, quoi. Mais c'est encore plus pour, je veux dire, montrer le côté même cinématographique. Même une série comme ça, c'est trop bien. Ça dépeint un portrait tellement noir et sinistre de l'industrie du cinéma. Par Stormfront, qui se fait quand même, voilà, où il y a quand même un film à son effigie, sur Dawn of the Seven, qui est une merde sans nom, mais qui cartonne, sur bah, toute cette société de consommation, en fait, c'est la représentation de la consommation, mais l'actrice est tellement incroyable, et elle a de temps en temps des soubresauts, ouais, quand elle parle à A-Train, et puis qu'elle est hyper virulente avec lui, c'est des soubresauts qui sont quand même des soubresauts de vérité, elle a ce côté... réaliste en fait, elle connaît les vraies choses de ce monde dégueulasse, donc elle sait à un moment donné où quelle est la part de vérité et on lui fait pas à elle. C'est-à-dire, il y a quand même ce côté, on lui fait pas à Ashley, elle est pas née de la dernière pluie. Et il y a des scènes assez virulentes avec elle à la fin, notamment quand on lui fait retirer sa perruque et tout. Tu te dis, c'est quand même une humiliation énorme. Enfin, moi je trouve ça un personnage qui est vraiment intéressant et qui pour le coup joue très très bien. Faut voir après qui on mettra dans les conseils des 4, dans la fin du top 10 et tout. Possibilité que, voilà, si on a 8 ou 9 personnes, elles rentrent dans le top 10. Plus que Victoria ou Stilwell, par exemple. Becca, la femme de Butcher, enfin l'ex-femme de Butcher, enfin on sait pas trop, mais enfin voilà. Pareil, hein. Bon, on s'en fout, ouais. C'est pas un personnage hyper intéressant. J'irais même pas, moi, pour le coup, dire jusqu'à sous-exploiter, parce que je vois pas ce qu'on aurait pu exploiter de plus avec elle. Elle est intéressante pour le traitement de Butcher et de son fils, et de tout ce qui va naviguer autour de Butcher et son fils, et du Homelander. Il y a quelques scènes qui sont intéressantes. C'est un personnage qui est fondamentalement sympathique, avec une fin assez triste, mais par contre, qu'est-ce qu'elle laissera à la série, malheureusement Mais voilà. Je trouve que c'est un bon perso, je suis assez d'accord avec la tier list, sauf pour Starlight, Stella, mais après ça reste mon avis. Ah oui, voilà, pareil, hein, moi je veux dire, c'est vrai que Stella, moi j'ai expliqué deux fois pourquoi j'avais beaucoup de mal avec le personnage, mais sinon derrière, pour le reste, c'est purement subjectif. Simon Pegg, n'importe quoi. Simon Pegg, bah malheureusement pareil, hein, un petit peu Osef, alors que c'est un acteur que j'adore. Si vous avez vu la trilogie Cornetto, si vous avez eu Star Trek, si vous avez eu Mission Impossible, évidemment Simon Pegg, on le présente plus, c'est une légende vivante. Mais c'est vrai qu'on le voit plus. Voilà, il est là rapidement dans la saison 3, il est là un petit peu dans la saison 1. Et c'est dommage parce que je pense que dans les comics, il est plus exploité que ça. Faut savoir que Simon Pegg, c'est la voix de Yui, justement, c'est ça qui est drôle, dans la mini-série animée The Boys. Donc c'est lui qui prête sa voix à Yui, alors que, et il a, en plus Yui a le physique de Simon Pegg. Alors pourquoi, je sais pas, mais c'est Yui dans les comics. Bah oui, justement, ouais, voilà, donc c'est peut-être pour ça, hein. Mais je me demande bien qui sera le roi des rois. Comment ça va, Sisama? Alors il était comment, comment elle était cette maison des dragons? Mais ouais, il y a un paradoxe, je pense que c'est surtout parce que Simon Pegg avait envie de faire des petites apparitions dedans. C'est toujours sympa de revoir Simon Pegg dans un projet, mais là, pour le coup, le personnage n'est pas hyper développé. Translucide. Alors lui, pareil, Rosef total. Alors Translucide, il a quoi, 15 minutes d'antenne? Bon, lui, il est juste là pour qu'on voit le The Boys, hein. C'est pour tous ceux qui se rappellent de la saison 1. Voilà, présentation des garçons, une mort bien gore. Et une place à prendre dans les 7. Au revoir Translucide, bonjour Stella et bonjour la suite des événements. Personnage insignifiant, hein, évidemment, mais qui a eu le mérite, voilà, qui a eu le mérite d'être là pour exploser et puis qui a eu le mérite d'être là pour présenter les boys, évidemment. Du C4 dans le cul et c'est ciao. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment bon, c'est l'avantage de Translucide, c'est qu'il a une mort qui est quand même impactante dans la série, parce que tu te dis, ok, si ça commence comme ça, j'imagine pas ce que ce sera la suite. Des Lilliputiens qui rentrent dans des aubes, notamment, bien sûr, le frère d'A-Train. Alors là, j'ai un doute. Le frère d'A-Train, est-ce qu'on le met dans Osef ou dans Bon, mais sous-exploité?
J'ai tendance à dire qu'il est quand même un peu OSEF sur les bords. Mais son impact vis-à-vis d'A-Train est intéressant quand même. Il est assez sous-exploité parce que je trouve que c'est un personnage qui pourrait, par rapport à l'alchimie qu'il a avec A-Train et par rapport au... Moi j'ai bien aimé ce qui se passe dans la saison 3 avec lui, au peuple afro-américain, etc. Et à tout ce qui se passe avec notamment... comment il s'appelle? C'est pas Gunpowder, c'est l'autre. Comment il s'appelle le super qui fait chier les quartiers afro-américains, le raciste en puissance. C'est pas Gunpowder, c'est putain merde. C'est un putain. Faut que je revoie. Attendez, si je, il est là, c'est lui. Blue Hawk, c'est Blue Hawk. Vache, ça revient d'outre-tombe. Blue Hawk, je trouve que par rapport à ce qui se passe avec Blue Hawk, elle reste. C'est non, je vais le mettre dans. Je vais quand même le mettre dans sous-exploité. Parce que il y a peut-être de la continuité narrative à avoir dans la saison 4 avec lui. Et je trouve le traitement qu'il a vis-à-vis d'A-Train et le trauma qu'A-Train va avoir vis-à-vis de ce qu'il a fait à son frère assez intéressant. Et ce personnage-là sera peut-être le personnage qui, au fur et à mesure, fera faire une petite rédemption à A-Train. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que le personnage peut être sympathique. Salut mon Yaya, comment vas-tu ? Alors, le personnage de l'agent, je crois, du FBI, qui est joué par l'un de mes grands crushs de ma jeunesse, et que c'est encore le cas actuellement, Jennifer Esposito, qui est absolument magnifique. J'irais pas... Pour moi, elle est pas... Je sais pas si elle a plus d'importance dans les comics. Je dirais pas qu'elle est sous-exploitée. Parce que sa tête explose en plein devant les autres, et c'est quand même par sa mort qu'on va apprendre l'existence de Victoria et de choses qui sont quand même très dures. Elle est à minima importante dans la première saison et au début de la saison 2. Ça n'empêche qu'elle est quand même relativement OSEF dans l'ensemble de la série, puisqu'elle n'a pas un impact extraordinaire. Preuve en est qu'après sa mort, bon, bah, globalement, que ça concerne Butcher ou les autres, on ne va plus entendre beaucoup parler de cette aventure-là. Et c'est dommage, parce que je pense qu'avec une actrice comme Jennifer Esposito, bah, on pouvait aller vachement plus loin. Mais c'est vrai qu'hormis cette scène finale qui est quand même impactante, avec sa tête qui explose et qui est... pas un jumpscare, mais qui est quand même un sacré retournement de situation, en mode on s'y attend pas du tout, et d'un coup d'un seul... Ah bon bah au revoir, bien sûr, salut, merci. Voilà, c'est un peu dur. J'adore ce que tu fais, tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup Ivar, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au contraire du chef de secte interprété par Goran Visnik, qui pour moi, lui, méritait plus. Alors, je suis pas objectif. Goran Visnik, c'est un acteur que j'adore à mort, qui jouait le Luka Kovac dans Urgence pour les plus vieux d'entre nous, ou en tout cas ceux qui ont regardé Urgence. Et alors lui, il méritait une plus grosse exploitation. Alors lui non plus, ça m'a scotché quand il est mort. Alors pour le coup, je vais vous dire, lui, sa mort, je l'ai vu venir à 15 km. À partir du moment où on prend le temps... Où on ouvre la canette, où le mec est content, où t'as le plan qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Moi, je savais que sa tête allait péter. Je me disais, c'est trop... On prend trop de temps pour que le mec s'en sorte rapidement. Et toute cette histoire de secte, bah, on n'en parle quasiment pas dans la saison 3. Il n'y a pas beaucoup d'impact vis-à-vis de ça. Juste par rapport à Deep et Sadana, mais... Oh, c'est vraiment histoire de dire, ouais, là, ma femme m'a aidé à sortir de cette secte, je suis revenu dans les 7, je vais mieux. Je pense que cette histoire autour de la secte, et puis toute l'aura et tout le charisme de l'acteur et du personnage de Goran Visnik, méritait d'être vachement plus exploité, au moins sur quelques, je pense, épisodes, pour que c'est un impact intéressant par la suite, en fait. Je pense que... Ne résoudre ça qu'à une partie de la saison 2, c'était peut-être trop peu, même si ça ne considère que l'arc de The Deep. C'est vrai que je crois qu'il y a peut-être A-Train qui a impacté par ça assez rapidement dans la saison 2, mais si ça a été bénéfique pour faire évoluer The Deep par la suite, ça, pour moi, ça méritait quand même plus. Voilà, il y avait peut-être un enjeu, quelque chose à aller chercher quand tu as un acteur de ce calibre-là, et peut-être un scénario plus intéressant et une voilà
quelque chose de plus à aller chercher. Je pense que tout l'arc autour de la secte, je sais pas comment il est dans les comics, a été un petit peu sous-exploité, a été un petit peu sous-évalué et un petit peu bazardé trop rapidement par rapport au potentiel que ça aurait pu avoir. Alors comment il s'appelle lui? C'est la Torche. Bah la Torche. Pareil, lui j'aurais bien aimé le voir plus longtemps. Bon, mais sous-exploité. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage-là, c'est le comment te dire. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est le fait que l'idée de basculer le iceberg des X-Men par rapport à un personnage dans The Boys qui serait une torche humaine, je trouve ça très drôle. Parce que forcément, je veux dire, quand t'as connu l'acteur, qui était aussi dédicace au Rowan d'ailleurs dans Quantum Break, etc. Bon, c'est un acteur, qui est hyper talentueux, hein, ce comédien-là. Mais je trouve que faire en sorte que l'acteur des X-Men qui jouait Iceberg arrive ensuite dans The Boys pour jouer la torche, déjà, le petit caméo, je le trouve assez savoureux. Et puis, bah, c'est un personnage quand même qui est important, qui arrive à avoir sa rédemption, qui est là sur... un ou plusieurs épisodes, me semble-t-il, sur la saison 2, qui est assez mystique, qui a un code de conduite, enfin qu'on imagine avoir aussi un code de conduite, etc. Et je trouve que c'est assez, je trouve qu'il est assez pertinent, vraiment. J'ai aimé cette prestation. Et je suis comme toi, Rowan. J'aurais aimé qu'il reste plus longtemps. Je trouve qu'il est sous-exploité parce qu'il méritait beaucoup plus, quoi. Il méritait beaucoup plus. Alors lui, il faudra me redonner son nom parce que je me rappelle déjà plus. Osef. Alors lui, bon bah, de toute façon, il est là pour mourir. Hein. Lui, il est juste là pour crever. Super Sonic, voilà, c'est ça. L'ex de Stella, qui a une mort dramatique, hein, puisqu'il se fait couper en morceaux. Enfin, on imagine vraiment des choses assez salaces vis-à-vis du Homelander. Bon, il est là pour appuyer encore plus le Homelander. Voilà, c'est le K-pop boy, c'est le boys band à lui seul. Hein, c'est le boys to men de l'équipe. Une mort supersonique, Soul, bien joué, félicitations. La blague est validée parce que le personnage meurt aussi rapidement qu'il est arrivé. Donc c'est vrai que forcément, il est assez osef. Mais il a le mérite. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant dans The Boys. Même les personnages les moins intéressants, que ce soit là dans tous les personnages osef, translucide, supersonique, la nana du FBI, ou même Laurie Holden de Walking Dead, ils ont tous une mort marquante. Quoi. Je veux dire, c'est une mort où tu te dis, ils vont prendre tarif à un moment donné, et ça va être rude. Et c'est ça que je trouve bien. Et merci beaucoup, Flash, pour le don. J'adore tes reviews. Tu vas en faire une pour House of D, House of Dragon. Oui, c'est prévu. Il y aura un live sur House of Dragon la semaine du dernier épisode et... Et puis une review, évidemment, une vidéo pour mon ressenti sur la saison 1, qui arrivera évidemment, ouais, quand toute la série sera terminée. Yui! Yui, pour l'instant, ça va rentrer dans le top 10. Yui, il a quand même une évolution, évolution assez, assez probante. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même le mec, dès la première scène... qui va voir sa nana se faire littéralement pulvériser devant lui, globule par globule. Il commence à prendre une éthique. J'aime bien l'attachement qu'il y a avec Butcher. Je trouve vraiment que ça lui donne quelque chose de... En fait, il réussit à donner à Butcher une dramaturgie très humaine. Là où Butcher va donner une dramaturgie beaucoup plus bad boy à Yui. Ça va prendre du temps, mais leur relation entre les deux est bien plus intéressante. Moi, je trouve que le côté fraternel entre Yui et Butcher est bien plus intéressant à regarder que la relation hyper soporifique qu'il y a entre lui et Stella. Où, pour le coup, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais ce côté un petit peu amoureux transi, un petit peu fragile, du personnage qui aimerait protéger les gens, mais qui malheureusement ne le peut pas parce que voilà, c'est pas un super, c'est juste un humain avec ses difficultés, avec ce côté très humain qui l'empêche d'agir comme il le souhaiterait, va amener dans la saison 3 à des traitements autour du V temporaire, où on sent qu'il commence à y prendre goût, où il se trouve finalement quelque chose
de surhumain, lui qui en rêvait un petit peu, hein, je pense plus pour protéger les siens que par jalousie, même s'il y a peut-être une petite tendance de jalousie vis-à-vis de Stella, etc. Je pense que son évolution est assez intéressante. Et voilà, ouais, tout ce qu'il y a dans la saison 3 où il va rappeler le petit frère de Butcher, etc. Et là où Butcher va faire des choses justement pour l'aider parce qu'il se doute bien que il y a de l'amour entre les deux personnages. Moi, j'aime bien. À quand le retour de Walking Dead ? Pas sur ma chaîne, en tout cas. Moi, le Walking Dead, j'ai arrêté. J'avais annoncé le Walking Dead. Ce sera chez d'autres personnes, mais en tout cas, pas chez Bibi. Dans la mesure où l'histoire ne m'intéresse plus du tout. Mais alors, vraiment plus du tout, du tout. Et ça ne... Ouais, c'est plus du tout à l'ordre du jour de mon côté. Hop. Allez, j'arrive dans 12 secondes. Hop. C'est pas un dur comme Butcher, mais un simple civil, ça le rend super attachant. Ouais, puis tu sens qu'il aimerait bien. Tu sens que malgré ça, enfin, tu sais, il a envie d'être un peu, comment dire, un peu calife, pas calife à la place du calife, mais il a envie d'être plus. Tu vois le côté chez Yui très attachant, très humain, de quelqu'un qui aimerait faire plus, qui aimerait faire mieux, et qu'à ce côté, je lutte contre les super, mais j'aimerais l'être aussi pour pouvoir faire le bien, tu vois. Et ça le rapproche, évidemment, du personnage de Stella, qui est la seule super-héroïne vraiment bien du lot. Et moi, j'aime bien ce parti pris. Blue Hawk, je crois. Oui, Gunpowder est là. Donc ça, c'est Blue Hawk. Eh ben, Blue Hawk, pour moi, il est sous-exploité. Parce que Blue Hawk, c'est la représentation... J'avais l'impression que Blue Hawk, en fait, c'était We Own This City à Baltimore. Vraiment, enfin, genre, la représentation des flics dans les quartiers, dans les bas-fonds des villes un petit peu comme Baltimore, etc. Blue Hawk représente l'Amérique hyper dégradante, hyper toxique et nocive. Justement, là, les forces de l'ordre, le racisme et la police très raciste et très... très auto-centrée et magouilleuse au possible. Et... Bah, Blue Hawk, j'aurais aimé qu'il soit plus exploité parce que je trouve que l'arc entre A-Train et lui se résout trop vite. Vraiment. Il y a un vrai fond là-dedans sur la lutte des... sur la lutte des... Comment dire ? Des Afro-Américains, sur la place de A-Train dans la société. Est-ce que sa rédemption aurait pu marcher aussi grâce à lui ? Sur, pourquoi pas, des scènes qu'on aurait pu faire où on verrait Blue Hawk avec des milices ou des polices locales tabasser des gens, etc. Voilà, pour tous ceux qui ont vu We Own This City, ça m'a beaucoup rappelé ça. Tu vois, l'ambiance un petit peu à la Baltimore. Sa mort, effectivement, je suis d'accord avec Anton, est très jouissive. Et c'est le dernier coup d'éclat avant d'avoir son cœur de A-Train. D'ailleurs, je crois que c'est le cœur de Blue Hawk, il me semble, qu'on met à A-Train. Alors, ça, pareil. T'imagines comment tu dois péter un câble quand tu t'appelles A-Train. Enfin, c'est tellement sadique, mais tellement bien vu. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cet arc narratif-là. J'aurais aimé qu'il dure beaucoup plus longtemps, voire même plus que le moment où il essaie de se trouver dans la communauté afro-américaine. Parce que je pense que c'était la passerelle qui aurait pu faire justement en sorte qu'il s'y trouve. Donc il y avait pour moi beaucoup plus à faire là-dessus, et Blue Hawk en était la représentation, ouais. Nina. Je suis un peu Osef. Je suis un peu Osef de Nina. Je vais la mettre dans Osef. Dans le début des Osef quand même, mais elle est quand même... Ce qui est intéressant avec elle, ça va être le traitement qu'il y a aussi vis-à-vis de Frenchy et Kimiko. Mais alors, c'est tellement plus Frenchy et Kimiko qui sont intéressants dans la stratégie imposée plutôt que Nina, où ça reste juste bête et méchant dans les bas-fonds de la ville, des affaires de mafia, etc. Je pense qu'ils n'ont pas poussé le vice suffisamment loin. On la reverra probablement, hein. Je pense, puisqu'il me semble pas que... Il me semble qu'elle est laissée pour vivante à la fin de la saison 3. Mais alors, bon, voilà, à part le fait qu'il y a des Sergei et que ça peut avoir un côté, disons, convivial, pareil, j'ai pas grand-chose à dire sur le personnage, plus par rapport à ce qu'elle provoque vis-à-vis de Frenchy et Kimiko. C'est un symbole, comment s'appelle-t-elle, Nina.
C'est un symbole d'émancipation pour Frenchie. Enfin, pas d'émancipation, mais un symbole de merde. D'esclavage. D'esclavage. Mais il arrive à s'en émanciper, donc. Mesmer. Alors, il n'y a pas plus Osef que Mesmer, je pense. Mesmer, je l'ai mis parce que je voulais atteindre les 40 persos. Si j'avais su, je pense que j'aurais peut-être pu en mettre d'autres. Parce que vraiment, Mesmer, on s'en bat les couilles. Je vais vous dire, Mesmer, je me rappelle même plus ce qu'il fait dans la saison 1. Je vois juste le personnage parce que l'acteur est hyper connu à l'époque où il était gamin et ça l'a aidé. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait dans la saison par la suite? Je n'en ai mais foutre aucune idée. Donc super, bravo Mesmer, merci d'être venu et à la prochaine, tu pourras rejoindre Billy Zane et tous les autres, et Charlize Theron et tout, voilà, tous les autres acteurs connus qui sont venus faire leur caméo. Alors que là par contre on rigole pas. Là par contre on rigole pas, voilà, là on commence à rentrer dans des choses que j'aime bien. Avec ce petit personnage. Et ce petit sourire qui pourrait limite le placer dans le conseil des quatre, juste le sourire du bonhomme pourrait le placer dans le conseil des quatre. C'est un bon personnage, Ryan. Alors pour l'instant, on va voir si on l'inclut pas dans le top 10 par la suite. Attendons un petit peu parce que le plus dur reste à faire. Assez mou dans la saison 2. Vraiment, bon, l'archétype du gamin qui sait pas se servir de ses pouvoirs. Le Homelander est très vite agacé. Bon, il va connaître Butcher et finalement il va se lier d'amitié avec Butcher si ce n'est plus. Ça va être une figure un petit peu paternelle pour lui. Et puis petit à petit, le traitement va commencer dans la fin de saison 2 et milieu de saison 3, quand on le revoit, à devenir hyper intéressant. Le seul truc que où j'ai un peu de mal, c'est que je trouve qu'il retombe très vite dans le jeu du Homelander. Après tout ce que le Homelander a fait, simplement que le Homelander arrive en disant non, non, mais tu sais, je t'aime, hein, je serai toujours là si t'as besoin. Et puis que lui soit en mode ah bah super cool! Ça me paraît très rapide. L'exécution est très rapide, mais sa relation avec Butcher et sa relation avec le Homelander est tellement intéressante. Et le petit heel turn qu'il nous fait à la fin en devenant un peu antagoniste, en choisissant le Homelander, c'est des promesses de dingue. D'ailleurs, je vais vous poser la question dans le chat, je l'avais posée déjà sur Instagram, mais on ne sait jamais. Pour vous, est-ce que Ryan continuera à être, pas au service, mais vraiment... droit avec le Homelander, ou est-ce que vous pensez qu'il va retrouver le camp du bien? Est-ce que pour vous, Ryan va retrouver le camp du bien, ou est-ce que ça va nous, et j'espère, devenir un équivalent de ce très bon film qui est Brightburn, l'enfant du mal, où clairement c'est une sacrée salope. C'est une sacrée salope ce... Comment il s'appelle lui? Je me rappelle même plus. Mais alors, c'est une... Alors, ça, je peux vous dire que c'est très fort. Brightburn, c'est très, très fort. Le camp du bien, un Crypto Collabo, Ryan restera avec le Homelander, Brandon Breyer, imaginez. Brandon, voilà, Brandon Breyer, c'est ça. Ça va devenir comme Brightburn, il a retourné sa veste pour sauver Butcher. Ah, moi, j'aimerais bien que ça reste un antagoniste. Il y a un vrai potentiel avec lui. L'acteur, déjà, est bon. Je trouve que le gamin est bon. Le dernier petit rictus qu'il a est bon. Quand il s'énerve, le peu de fois où il s'est énervé, où il a des émotions, je le trouve convaincant. Faut qu'il reste avec le Homelander. Faut qu'il y ait un petit peu de tragique, et ce serait autrement plus pertinent que de revenir encore avec Butcher et de faire encore un ascenseur émotionnel. Je trouverais ça plus intéressant. Mais voilà, on verra un petit peu ce qui pourra se passer après. Mais en tout cas, très très belle révélation. Déjà dans la saison 2, ce qui se passe avec Butcher et dans les premiers épisodes, c'est intéressant quand on le voit dans la saison 3. Mais alors, le retournement de situation avec le Homelander là était quand même savoureux. Et je vous cache pas que j'ai savouré. Très bon personnage, Ryan. Très bon traitement, une belle évolution, une vraie consistance et une vraie manière de se dire hey, pourquoi pas embrasser le côté du mal, ça a l'air plutôt cool. Et puis le petit sourire donc ça y est, le Homelander peut faire ce qu'il veut. Là, on en est quand même au stade où le gamin, il se dit mon père a explosé la tronche d'un mec devant des tonnes, des centaines de personnes, et ils applaudissent. C'est peut-être que mon père est pas si mal que ça, finalement. Shockwave, juste à côté de Supersonic. Alors, c'est les deux mêmes, hein. Alors eux, ils sont là, ils ont vu, ils ont pas vaincu.
une mort aussi rapide que une mort aussi rapide que l'éclair, une mort aussi rapide que la course hein, de Shockwave. Bon bah pas grand chose à dire dessus. Le rival principal de A-Train. Et... rendement identique hein, finalement à Supersonic. Je le mettrais quand même, voilà, si je devais dire, peut-être un petit peu au-dessus de Supersonic quand même, un petit peu au-dessus de certains personnages, parce qu'il y a quand même des moments un petit peu plus costauds, puis sa mort est quand même hyper impressionnante, mais ça reste des personnages qui n'ont aucun, aucun développement particulier, pour le coup. Au contraire de la crème, Mother's... Alors, mais j'adore son nom en VO, Mother's Milk. Pour l'instant, on le fait rentrer dans le top 10, et on verra après. Pour l'instant, je mets pas grand-chose, hein, vous avez vu, dans le conseil des 4, les trucs et tout. Je mets pas grand-chose, on mettra un petit peu par la suite. Mais très très bon, la crème. Très bon personnage, la crème. La crème, il y a un côté très passif-agressif que j'aime beaucoup. Dans le mec hyper soigneux, hyper droit, hyper carré. Tu l'as mis en bon. Ouais, je le mets en bon pour l'instant, ouais, parce que on verra pour le top 10 ensuite. Il y a beaucoup de personnages qui pourraient l'intégrer. Il y a des personnages qui vont l'intégrer au fur et à mesure. J'attends de savoir les places qui me restent pour ensuite faire un petit bilan. Mais ça peut bouger, évidemment, ça va bouger. La crème, c'est un très bon personnage. Il a cette dualité entre voilà, quelqu'un de très droit, très carré, très minutieux, très ordonné, très vas-y, n'en fous pas partout. Eh, range là, vas-y, vous vous foutez le bordel, machin, c'est chiant. Et ça donne un côté très drôle. Et puis le côté hyper brutal du bonhomme qui est stock à crever. Pour tous ceux qui ont vu le film Jared, il y en a peut-être quelques-uns ici dans le chat. Pour tous ceux qui ont vu le film Jared, et bah, Laz Alonso jouait dans Jared. Il jouait le rôle d'Escobar. C'était, bah, c'était l'un des personnages qui était avec le groupe de Jake Gyllenhaal dans le film Jared. Il jouait un soldat. L'un de mes films préférés, bah, mon film préféré, même William, bien vu. Donc ça m'a fait. Alors il est méconnaissable hein, parce qu'il a pris en masse de ouf avec la barbe et tout. Il a pris 20 ans depuis. Mais c'est vrai qu'il est dans Jared. Et Laz Alonso, voilà, très bon, très attachant. Aussi dur et violent et que torturé, notamment par rapport au petit soldat. Il y a des choses intéressantes qui arrivent avec lui dans la saison 3. Et puis en même temps, hyper attendrissant avec sa fille. Moi, forcément, c'est des sujets qui me parlent. C'est un homme qui essaie de bien faire les choses, malgré le fait que le monde entier soit gangréné, dont bah, le beau-père et sa fille, hein, par rapport au Homelander, etc. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie que son beau-père ni sa fille deviennent des fanatiques du Homelander, et pourtant, il est contraint de subir ça. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs cartes dans le jeu du il y a plusieurs cartes dans le jeu du de l'ami Laz Alonso que j'aime beaucoup ouais. Dans le comics, sa fille et sa mère font du porno ensemble. Ah bah grand bien leur face. Ce sera peut-être dans la saison 4. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin mais peut-être que ouais, après c'est peut-être pas autant étudié le côté dramaturgique et tendre de la crème dans Mais ça me fume, moi. Mother's Milk. Enfin, genre, le lait maternel, comment ils l'appellent dans la VO, c'est extraordinaire. Mais c'est un très bon personnage. Très, très attachant. Très attachant avec, voilà, un parallèle, en plus, entre lui aussi, l'humanité et le monde du super, le monde des médias, le monde des héros, etc. Et toujours différent, en fait. Hein. On est dans les Boys, puis après, il y a le petit soldat qui arrive et on apprend un peu plus sur son passé, etc. Il y a un très beau développement, un beau traitement par rapport à lui sur la représentation qu'il a, qui n'est pas forcément une représentation de l'afro-américaine. Là, c'est plus A-Train et puis le frère d'A-Train, mais lui, c'est simplement voilà, le rôle humain, quoi. Je pense que, honnêtement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans le chat, pour moi, la crème, c'est le personnage le plus humain de toute la série. Parce que même... Alors, bon, bah, Butcher, tout ça, évidemment que non, mais... Même Yui finit par prendre goût au V. Yui, tu sens de temps en temps que... à un moment donné, ça pourrait vriller, hein. Même Stella, de temps en temps, tu vois, pareil, elle fait des trucs pas catholiques pour arriver à ses fins, même si c'est du côté du bien. Moi, je trouve que le personnage le plus humain, le plus attachant et le plus raisonné, et finalement, le plus stable, c'est la crème. C'est la crème, largement, hein. Avec Frenchie et Kimiko, c'est les trois plus humains. Ah, et Frenchie et Kimiko, ils ont fait des tas de dingueries dans leur vie aussi. Tu vois, la crème, il n'en est pas non plus à ce stade-là. Frenchie et Kimiko seraient 2 et 3 sur la liste des personnages les plus humains, oui.
largement. Mais il y a une gamme au-dessus, je trouve, dans la nature humaine qui est profondément ancrée dans, dans la crème. Putain, c'est beau ce sujet. Des fois, je fais des phrases et je me dis, ça vient de moi et je me trouve extraordinaire. Comment il s'appelle déjà, Tic et Tac? Je me souviens un peu. Bon, d'ailleurs, on s'en bat les couilles, eux. Hein. Eux, ils servent à rien, à part se faire buter pendant les rogasums, ils servent à rien, mais... TNT, mort explosive, voilà, ouais. Bah, écoutez, leur mort a été aussi explosive que les... Les jumeaux organisateurs de l'érogasm, qui faisaient partie des revengeurs, les jumeaux TNT. Bon, y a rien à dire du tout, hein. Voilà, ils sont là pour se faire buter par le petit soldat. Grand bien leur face, quoi. Maintenant, on va parler de... On va parler de... Putain. On va parler d'Ambrosius. Ambrosius le poulpe. The greatest of all time. Je suis gêné. J'aurais dû mettre Timothy, je suis dégoûté. Bon, dans la même catégorie, il y aurait eu Timothy aussi. Timothy, ça m'a fait de la peine en vrai. J'étais vraiment encore plus gêné. Ambrosius qui suce le sexe de machin quand il fait le plan A3 avec sa meuf après, genre, oh mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que t'es gourmande, avec sa meuf qui est à côté, l'homme poisson qui lui dit Ambrosius dit qu'elle veut te goûter. Ah non mais je te jure, ouais c'est ça, Roy dit qu'il a envie de te goûter. Non c'est elle en plus, c'est une fille, hein. Ambrosius dit qu'elle a envie de te goûter. Je crois que c'est une fille, Ambrosius. Timothy, il mérite le top 10. Je suis déçu de l'avoir oublié, Timothy. Ou alors, c'est que je voulais pas mettre deux poulpes en même temps. Ben voilà, The Boys dans toute sa splendeur, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu veux ? C'est... Voilà, voilà. The Boys dans toute sa splendeur. Le The Deep et toute sa... Sur son côté cervelé qui finit par se faire pomper par un poulpe. C'est... Voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus que ça ? C'est absolument superbe. Bon appétit chez vous. Non, Timothy, c'était pire. Parce que Timothy, quand il lui dit il a des enfants, il veut pas... Tu sais, quand il est dans sa bouche, il me supplie d'arrêter et tout. Tu sais, tu vois avec ses petits yeux mignons, là, de Timothy, genre, pourquoi tu veux me manger ? Quel fils de pute, le Homelander, quand même. C'est, je crois que c'est l'une des pires choses qu'il ait fait. Le Homelander, c'est quand même un bel enculé. Hein. Faut le dire, mais c'est quand même un sacré enculé. Hein. Il est exceptionnel, hein, mais c'est un sacré enculé. Gunpowder. Pareil, un peu OZEF, hein, Gunpowder. Soyons totalement honnêtes, Gunpowder, on n'en entend pas beaucoup parler. Il est juste là pour... Ben, il est là pour mourir, en fait. Il est juste là pour qu'on voit Butcher faire sa première utilisation du V, mais c'est à peu près tout. Donc, pas grand-chose à dire, à part que sa voix française est la voix de Tom Hanks, me semble-t-il. Le combat effectivement était très bien filmé, très bien mis en scène dans le parking avec Butcher. C'est vrai que c'est en termes d'ambiance et de mise en scène, c'est une excellente séquence. Mais voilà, hormis cette scène là, il est plutôt OZEF, mais faut quand même lui rendre ça, c'est-à-dire que ça fait partie des séquences marquantes de la série, en tout cas pour moi, de voir la qualité de mise en scène qu'ils ont montré. Queen Maeve. Queen Maeve, c'est quand même top 10. Hein. Queen Maeve, c'est au moins top 10. On verra pour le conseil des 4, mais en vrai, c'est au moins top 10. 1, 2... Bah non, maintenant, mon conseil des 4, je sais déjà c'est qui. Donc pas possible qu'elle rentre dans le conseil des 4. Mais... Bah elle aussi, pour le coup, c'est une des rares super-héroïnes. Alors elle, ça finit par la tuer, ou presque. Mais il y a une profondeur chez Maeve par rapport à tout ce qu'elle a vécu avec le Homelander, par rapport à tous les sacrifices qu'elle a subis, par rapport à tous les traumas, par rapport à tout le deuil qu'elle peut avoir vis-à-vis d'autres personnages qui meurent dans son entourage, des choses comme ça. Elle a été complètement dévorée de l'intérieur par le Homelander, par les ambitions du Homelander, par le rejet, le dégoût qu'elle pouvait avoir pour lui. Ça en donne un personnage extraordinaire. Ça en donne vraiment, vraiment un personnage extraordinaire. Je trouve que c'est...
étrange qu'elle résiste à une explosion. Ça, c'est vrai. C'est vrai que pour le... Alors, j'en avais parlé. Moi, je trouve qu'à la fin de la saison 3, l'une des choses qui m'a déçu, c'est que Maeve survive. Je trouve que dans une série comme The Boys, il y aurait pu avoir un minimum de prise de risque en plus à la fin de la série, quitte à voilà, ce que elle, par exemple, peut-être, on ne sait pas si on la reverra dans la saison 4, mais admettons qu'elle soit partie pour de bon avec sa copine et puis qu'on ne la revoit plus jamais, j'aurais trouvé ça plus impactant de la voir mourir, vraiment. Sachant que dans le final de la saison 3, il n'y a quasiment aucune victime. Bah, je crois qu'à part des personnages secondaires, voire tertiaires, il n'y a pas de mort. Et c'est dommage. Il y a la promesse peut-être de voir Butcher mourir si jamais il succombe du V, hein, puisqu'il est mal barré. Mais sinon, il n'y a pas de mort. Et Maeve, c'était le personnage qu'il fallait pour ça. Je pensais même peut-être que Ryan allait mourir pendant un moment. Je me suis dit que le Homelander était mal barré. Peut-être que le petit soldat allait mourir, même si lui, je ne voulais pas, puisque il venait à peine d'arriver. Je pense que lui a encore du potentiel. Mais voilà, le final était bon dans ses choix. Mais dans les victimes présumées et dans ce qui aurait pu être encore plus impactant pour magnifier les choix, je trouve qu'ils se sont un petit peu loupés. Et ça passe notamment par Maeve, qui aurait pu pour moi mourir largement à la fin de la saison 3. Mais qui, voilà, est laissée pour morte, Saul. Donc finalement, elle deviendra un symbole pour les gens parce qu'elle est laissée pour morte. Même le Homelander, grâce à ce qu'a fait Ashley, ne saura pas qu'elle a survécu. Donc le symbole, elle va continuer de l'être. Ça, il n'y a pas de souci. Juste, je pense que ça aurait pu être encore plus intéressant et plus pertinent, quoi. Si on avait eu Black Noir et Maeve comme mort cette saison, ça aurait été parfait. Il y a eu Black Noir, mais Black Noir, c'est pas dans la scène finale. Black Noir, c'est avant. C'est vrai que puis même Black Noir, j'aime beaucoup le personnage de Black Noir, mais ça n'a pas du tout la même portée. On l'a quasiment pas vu de la saison 3. C'est pas comme si... Pareil, A-Train. A-Train, s'il était mort à la suite de sa course, et qu'on l'avait érigé un peu en héros, là, ça aurait pu avoir un impact, peut-être, sur quelqu'un qui le remplace pour... parler justement de la culture afro-américaine et qui lui pense que A-Train est quelqu'un de bien, où il aurait pu avoir un scénario là-dessus autour de diverses options. C'est pareil, A-Train finalement il a survécu, c'était peut-être bien pour terminer Herogasm, tu vois, ou c'est l'épisode juste avant Herogasm, non c'est dans Herogasm puisque c'est juste après que le truc est pété, ça aurait pu être bien de l'avoir, de le voir mort. Maintenant, comme lui, c'est un personnage qui, à mon avis, aura un développement intéressant, c'est bien aussi de le laisser en vie. Je pense que Maeve en avait fait à peu près le tour. D'ailleurs, d'un point de vue personnel, j'ai quand même insulté Butcher à de nombreuses reprises quand il s'est envoyé Maeve, par jalousie, voilà, il faut le dire. Le nombre de putains l'enfoiré qui sont passés lors de cette séquence, de ma part, en voyant Butcher et Maeve ensemble... Restera ancré en ses murs et faut reconnaître que bien joué frérot parce que Maeve elle est quand même, c'est quand même un très bon personnage et c'est la reine, hein. Appelons un chat une perso conseil des 4, Maeve, Kimiko, Bill et Homelander. Il y a le roi des rois au-dessus, hein. Faut trouver un gars dans le roi des rois qui est au-dessus du conseil des 4, le maître d'arène. Tu imagines un combat Homelander versus Brian, saison 4, épique, versus Brian. Alors, Brian, ça me dit rien comme ça, Brian. Ryan, tu veux dire, peut-être. Le petit soldat. Ryan, à mon avis. Daniel Bryan. Ouais, c'est là, j'étais en train de me dire, contre Brian Danielson. Homelander contre Ryan, moi j'ai pas envie parce que j'aimerais bien que Ryan reste du côté du Homelander, je trouvais ça vachement plus puissant. Et puis même, j'aime bien le côté de chez Maeve, tu vois, comment ils ont travaillé son homosexualité pour encore une fois, mettre un petit taquet sur tous les trucs un petit peu, qui vont contre les faits. En fait, je trouve que quand tu regardes cette série, c'est encore plus probant de voir la différence entre la tendance et. La solidarité, la passion qu'il y a derrière, par exemple, les mouvements LGBT, etc., les mouvements féministes, les mouvements woke, enfin, je veux dire, tous ces trucs-là, où d'un autre côté, tu vois, il y a la différence entre des gens qui ont véritablement cette vocation d'essayer d'élever la voix pour leur propre culture, ou leur propre humanité, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et puis il y a la tendance qu'on a aujourd'hui, voilà, où il faut faire des cahiers des charges, où il faut mettre des trucs et des machins, et qu'il y ait toujours de la tendance, tendance woke, machin, tout ça, tout le monde parle de ça aujourd'hui. Alors moi, je suis pas le premier à râler dessus, parce que
Pour être tout à fait honnête, je m'en fous un peu. Maintenant, c'est vrai que je préfère que ce soit bien travaillé plutôt qu'autre chose. Et je trouve que dans The Boys, eh ben, y a justement ce côté-là. C'est-à-dire que Maeve, humainement et intrinsèquement, on va travailler son féminisme, on va travailler sa force en tant que femme, etc. Et derrière, Vought va s'en servir pour appuyer sur cette tendance woke, machin, etc. Et se foutre littéral gueule de justement de toute cette tendance woke, LGBTQ+, machin, où il y a plus de lettres que dans l'alphabet maintenant, dans ces trucs-là. Et justement, ça reste intéressant à voir pour, comment te dire, voir quelle est la distinction entre des gens qui le font par amour, par envie, par conviction, pour porter la voix, et tout ça c'est très bien et c'est important, et derrière pour bah, tout ce qui va être se servir de ça pour en faire une tendance, pour en faire un système, pour en faire quelque chose, et bah, qui est plus de l'ordre limite publicitaire et qui sont des choses qui pour moi desservent justement à la vraie portée que pourrait avoir bah, les féministes qui, eux, sont féministes par conviction, par envie, par vécu, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est vachement bien vu, quoi, par rapport à ce personnage qui incarne cette dualité-là entre ce qu'est une vraie femme forte, une vraie femme forte qui n'a pas besoin de tendance et de mode pour l'être, et puis bah, la mode, malheureusement, qui va servir d'elle à plus des siens. On tournera pas autour du pot, on va pas faire beaucoup de mystères. Il est arrivé, il est venu, il a vu, il a vaincu, il a niqué trop de daronnes. Et en plus, il a vraiment niqué des mères, parce qu'elles avaient 85 ans, hein, les nanas qui s'est tapé chez Monsieur la Légende. Le petit soldat. Quel acteur! Jensen Ackles, quel acteur! Quelle conception de créer un Captain America qui serait resté à l'époque des années 40, anti-tout. Alors là, homophobe jusqu'au bout des ongles, misogyne. Qui pullule d'arrogance et de stéréotypes de l'homme ne doit pas pleurer, l'homme est. Enfin, toute la discussion qu'il a à la fin avec le Homelander, où le Homelander, c'est vrai que c'est Captain Wawa, on va pas se mentir, c'est un peu Capitaine Wawa, hein, mais c'est même Seigneur Wawa par moment, mais ça lui va tellement bien. Mais la distinction entre le Homelander qui a encore des parts d'humanité et le petit soldat qui est en mode. C'est cette conversation finale, bah, tu vois, j'étais content d'apprendre que j'ai un fils, et puis maintenant je te vois, je me rends compte que t'es qu'une fiotte, donc nique ta mère. Alors, je pense qu'on était tous, à ce moment-là, on était tous du côté du Homelander. Je pense qu'on était tous du côté du Homelander en mode, mais si le Homelander pouvait, mais lui démonter sa gueule au petit soldat. Et pourtant, non seulement par rapport à ce que le petit soldat est, c'est-à-dire la caricature du Captain America bah, qui serait resté avec cet esprit des années 40, très voilà, bodybuildé, etc., stéréotypé, par rapport à l'acting de Jensen Ackles, par rapport à la puissance des twists autour du Homelander et l'aura juste du personnage, mais c'est extraordinaire. Son combat à la fin contre Butcher et Homelander dans Herogasm et le combat final dans l'épisode 8, décevant parce qu'il n'y a pas de mort, mais tellement bien géré et tellement bien mis en scène, ah, c'est costaud, hein. C'est le petit soldat, c'est sa taille patron, hein. Les femmes, c'est comme le bon vin, plus c'est vieux, plus c'est bon. Je crois que c'est pas ce qu'il dit dans la série, non? Oh, il sort un truc comme ça, genre, vous avez tort de vous priver, et plus c'est vieux, plus c'est incroyable. Non, mais il y a des trucs qui sont incroyables, qui sont exceptionnels, hein. Son interprétation est géniale. Ouais, parce qu'il est très... Lui, pour le coup, tu vois, c'est pas... Je vais revenir sur Stella, mais... C'est pas comme Stella, qui est Stella, qui est très monolithique, je trouve. Lui aussi, il est monolithique, mais putain, il le joue vachement bien. Et en fait, il est complètement perdu dans ce truc-là. Enfin, il y a même un côté où, franchement, pendant une grande partie de la série, tu te demandes si ça va pas être un héros, un vrai héros ou un protagoniste, où tu te dis, tiens, c'est bizarre, mais... Il me semble avoir quand même des bons côtés, des choses où il a un code, une éthique. Enfin, c'est... voilà, hein. Il a baisé ta femme et tu veux protéger son bâtard. Ouais, pareil, avec Butcher, mais tout le duo avec Butcher est vachement bien. Puis, d'un autre côté, je dis pas qu'il a pas raison, mais... Ah, c'est vrai que Butcher, il est gentil au final. Mais non, très très très, très bon. Excellent. Excellent. L'ami petit soldat. Alors lui, je me souviens plus comment il s'appelle. Je sais qu'il est capable de c'est celui qui provoque les rêves. Comment s'appelle-t-il? C'est celui qui provoque les rêves de... Merde. De Butcher. Mental Droid, voilà, c'est ça, ouais. Bon, Mindstorm, ouais. Bon, Osef. Enfin, voilà. Bon, il est là. Il y a une péripétie autour de Butcher grâce à lui.
Mais hormis cette section-là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Stormfront. Là, il y a beaucoup à dire, par contre. Stormfront. Stormfront, elle est dans les 10. Stormfront, elle est dans les 10. C'est pour moi, c'est la plus grande arrivée de la saison 2. C'est Stormfront, c'est... Alors déjà, rien que par rapport à son duo avec le Homelander et la capacité avec laquelle la série retourne complètement le duo vers quelque chose sur lequel on s'attend pas, c'est monstrueux. Mais c'est un personnage extraordinaire. C'est un personnage extraordinaire, Stormfront. Vraiment, hein. C'est montrer le déjà inclure le nazisme et le néo-nazisme et remettre ça dans la culture moderne avec des gens qui vont l'aimer pour ce qu'elle est, etc., et qui vont pas avoir peur de cette gestion là c'est encore un visage hyper noir des États-Unis, mais derrière il y a des scènes avec elle qui sont absolument jouissives, notamment des scènes de combat qui sont hyper impressionnantes. Encore une fois, son duo et l'empathie, c'est grâce à elle au final. C'est grâce à elle, au final, Stormfront, qu'on arrive à avoir de l'empathie pour le Homelander. Le Homelander, dans la saison 1, t'as aucune empathie pour lui. C'est vraiment le dernier des connards. C'est le dernier des connards. Et derrière, t'arrives sur Stormfront. Et là, du coup, tu te dis, tiens, le Homelander, on commence un peu à apprécier le détester. Ou juste l'apprécier tout court, quoi. Parce qu'il y a ce côté très... Ils ont ce côté empathique où tu sens une relation très... particulière et presque sincère, quoi, entre les deux. Je pense que le Homelander aime plus le fait que Stormfront lui porte de l'intérêt plutôt que l'aime vraiment, mais je pense qu'il y a quand même une alchimie entre les deux. Puis ça donne des scènes lunaires, enfin la scène où ils sont en train d'éclater un mec et ils terminent par niquer alors qu'ils lui ont explosé la tronche sur le mur, enfin c'est complètement lunaire. Tu as pas parlé du passage musical de Soldier Boy. Il m'a pas plus marqué que ça, moi, celui-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en mode c'est bon délire, mais il m'a pas forcément plus marqué que ça, moi, ce passage-là. C'est aussi une métaphore des USA, Homelander qui embrasse le nazisme. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur le côté d'une partie de l'Amérique qui, finalement, fait l'apologie du nazisme, une Amérique moderne, en plus, qui va ne pas avoir peur de voir Stormfront et puis de faire l'apologie du nazisme par ce personnage-là, par son prisme, par le côté dictatorial que ça représente, et puis par le biais des réseaux sociaux, par le biais de choses vachement humaines, vachement simples, enfin pas humaines, mais je veux dire des choses du quotidien, quoi. Et c'est effroyable, enfin ça fait peur, ça fait peur. Il y a beaucoup de choses qui sont assez terrifiantes, hein, dans The Boys, quand tu regardes bien l'envers du truc. De toute façon, ce monde est complètement pété de l'intérieur, hein. Tant que le mot nazi n'est pas prononcé, les gens ne voient rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est montrer la faiblesse de l'être humain par rapport à des tas de situations. Mais je veux dire, c'est le cas avec, Stormfront. Mais c'était le cas avec Soldier Boy à l'époque où il était au sommet. C'est le cas avec, Ashley. C'est le cas avec le Homelander. C'est le cas avec tous les orateurs qui, en fait, quand t'as un esprit faible, tu suis la directive, quoi. Et on ressent encore son impact. On a même de la pitié pour elle. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est tellement bien écrit et tellement bien géré que franchement, à la fin de la saison 3, quand Stormfront se suicide, on a limite de la pitié. C'est ça, faut imaginer le truc qui est fort. C'est-à-dire, c'est une nazie en puissance qui a connu tous ces trucs-là, etc. Qui est vraiment le symbole du mal incarné, qui va faire d'Homelander quelqu'un d'encore plus jouissif dans le côté obscur, qui va mal terminer, mais d'un autre côté, c'est une pure antagoniste. Et dans la saison 3, elle se fait complètement délaisser par le Homelander, et on finit par avoir de l'empathie, ou en tout cas une forme de pitié et puis de tristesse pour un personnage qui est, normalement, exécrable au possible et dont on rêvait la mort. C'est ça que c'est là où l'écriture de The Boys est vachement intéressante. C'est pareil pour le Homelander, quand on lui reprend son fils et où ils te font en larmes, ou alors quand là on voit que son fils revient et qu'on est content pour lui, il y a une force empathique pour des personnages terrifiants dans cette série qui est incroyable. Eux, je me les garde pour la fin parce que le reste va être très rapide. Là on va passer, comme on est déjà sur 1h40 de live, on va passer rapidement sur les derniers.
la fille de la crème. Bon bah, Osef, hein. 2-3 passages intéressants, mais pas particulièrement de développement jusque maintenant. L'homme aux zizi énorme. Bon bah, pareil, lui, Osef aussi, mais d'un autre côté, pauvre Mother's Milk. Eh, on va quand même dire un truc, hein, mais Mother's Milk, il se prend quand même dans la gueule une bite énorme. Ensuite, il se refait caresser par un zob dans la saison 3. T'as le Lilliputien là qui arrive et puis qui lui met un petit peu de vous savez quoi sur le bras. Il ouvre une porte et alors là, il se prend une espèce de couche de Meusper dans la gueule. Il a vraiment pas de bol. Putain la vache. Ah lui, il a vraiment pas de... c'est le mec qui a le moins de bol du monde. Ah ouais, c'est... Non, là, on est plus sur une faciale là, on est sur une corporelle. Hein. C'est... Au revoir, merci. Ah le pauvre. Ah lui, je vais même le mettre dans « Je suis gêné » parce que c'est vrai qu'il y a une certaine gênance vis-à-vis de lui aussi, hein. C'est le trio de tête, hein. C'est le trio de la gênance. Hein. Ambrosius, j'aurais même pu mettre Oedipe, mais Oedipe est trop fort. Ambrosius, on va l'appeler Rocco, et puis le Lilliputien. Vous imaginez qu'on commence quand même la série The Boys avec un mec qui rentre dans une tub, qui la caresse de l'intérieur, qui éternue, qui reprend sa forme normale et qui du coup explose de l'intérieur son concubin. Tout ça sous coke. Et qui termine écrasé d'ailleurs. C'est horrible. Mais je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là, mais qui est hors du commun. Où tu regardes la scène c'est l'Homelander qui arrive, qu'on a rien à foutre. Puis lui, il est sous les graviers avec sa voix. Il a une voix de chipmunk en plus. Il a une voix de chipmunk, il a une voix qui est toute petite, genre « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi !» Puis là, t'arrives, bam, Homelander a rien à foutre, écrasé comme une merde. Ah, tu t'entends le bruit des os et tout, genre « Ah, putain, quelle horreur. Quelle horreur. » Puis alors lui, on va dire, il perd son mec au moment où il est dans son zob, on le revoit sortir d'une... voilà, hein, vous avez compris l'idée. On ferait comme un gardon, hein. Alors là, on peut le dire qu'il en a rien à foutre. Hein. C'est vraiment... on part sur un délire... Et tu commences la série comme ça, quoi. C'est genre parmi les premières scènes de la série, c'est exactement celle-là. Le termite. Ouais, bah il l'appelle termite aussi en VF, je crois. Merci beaucoup, Juju, encore pour le don. Très généreux ce soir, merci beaucoup. Plus je regarde cette série, plus j'ai pitié de cette société dans laquelle on vit. Le problème, c'est que The Boys, c'est un magnifique reflet du pire de chacun d'entre nous, du pire du monde. L'impact des réseaux, l'influence, le pouvoir du système, le pouvoir des plus forts. Le pouvoir de l'argent, de la déchéance du cinéma, la déchéance de l'humanité, du gouvernement, du capitalisme, surtout du capitalisme. Il y a quasiment personne à sauver là-dedans, quoi. À part, honnêtement, à part Frenchy, Kimiko, la crème, Stella et Yui. Il y a personne à sauver. Becca. Mais Becca, c'est un petit personnage, mais sinon, tous les autres, je veux dire, même Maeve, même Ashley, même des personnages comme ça qui essaient de faire des choses bien sur la fin, ont probablement fait beaucoup trop de choses négatives pour pouvoir être sauvés derrière. A-Train peut avoir toute la rédemption qu'il veut, c'est presque déjà trop tard. C'est Ryan, oui, mais enfin, Ryan, il a pas l'air bien parti. Hein. Puis moi, Ryan, je veux que ça vienne une salope, donc je vois pas... c'est dit comme ça, très, très humblement. Hein. Moi, Ryan, je veux que ça devienne un con, moi. Il le faut, hein. Il le faut. Le beau-père, alors je vais vous dire, le beau-père, bon, mais sous-exploité. Moi, je le mets pas dans Osef. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de cette société américaine, on parle de ce déni, on parle de ces politiques mégalomaniaques, on parle de ces gens complètement écervelés qui pensent servir une cause noble alors que c'est que des moutons. Lui est un abruti total qui représente tellement bien cette Amérique et ce monde, parce que c'est pas que l'Amérique. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand je vois beaucoup de gens dire « les États-Unis dégoûtent ». Les gars, c'est pareil dans n'importe quel pays, hein. Faut pas se dire que c'est les States. C'est les States, parce que les States, c'est encore plus grand, encore plus beau, encore plus fort, encore plus tout. Mais c'est pareil dans n'importe quel pays. Je veux dire, des cons, t'en trouves partout. Des gens matrixés, manipulés, etc. Des politiques et des gouvernements qui sont complètement à l'ouest par rapport à comment gérer une nation, etc. Bien placé pour... Voilà, hein, nous... hein. Bon. Mais il n'y a pas que là-bas.
Mais là, c'est une catastrophe. Et cette personne-là représente d'autant plus cette catastrophe-là, c'est-à-dire un meurtre de sang-froid directement devant ses yeux, une scène horrible, mais une telle addiction, un tel fanatisme, parce que là, on est dans le domaine du fanatique, hein. Là, c'est encore plus, on est encore plus dans le côté mouton. On est dans le fanatisme absolu, tu vois, du « je suis Team Homelander ». Je vous cache pas que moi, quand le Homelander, il a pulvérisé la gueule d'un mec et que j'ai vu Anthony Starr sourire, j'avais un sourire aussi. Mais c'est pas pareil, c'est parce que moi, le personnage, je le trouve incroyable. Mais là, eux, on est dans cette société-là. Et pour moi, il est sous-exploité. C'est un bon personnage, parce que quand bien même il est pas là, il représente tout ce qui va pas dans le petit peuple, dans les gens normaux, en fait, qui sont complètement matrixés par le système. Et pour moi, bah, j'espère que dans la saison 4, il sera encore plus là, lui. Pour montrer encore plus à quel point cette société, elle est pourrie, foutue de l'intérieur. Alors, c'est le côté positif et négatif, j'ai envie de vous dire, de The Boys. Parce que d'un autre côté, il y a très peu d'espoir, quoi, dans The Boys. Est-ce que vous trouvez pas, vous, que... Je pose une question, honnêtement. Hein. Est-ce que vous trouvez pas que The Boys gagnerait à être de temps en temps un petit peu plus balancé sur des choses positives? C'est aussi pour ça que je vais établir ma vidéo sur Frenchie et Kimiko qui sortira samedi, parce que je trouve que eux sont la marque de tendresse dans un monde de brutes, dans un monde où on n'a plus le droit, et où eux sont encore la marque d'enfance, sont encore une marque de gentillesse, de profondeur, de naïveté, de tendresse, qu'on n'a jamais dans The Boys. Et en fait, The Boys, quand je regarde là, regardez la tier list, quand on regarde tous les fils de pute qu'il y a dans cette tier list, excusez-moi, hein, tu te dis en fait, la gangrène, elle est partout, c'est terminé. C'est terminé, tu pourras même pas... Et pourtant, moi, vous savez que voilà, on va parler de Frenchie et Kimiko. J'en parle que très peu, je les mets tous les deux ensemble, parce que pour moi, c'est un duo. J'en parle que très peu, parce qu'ils seront le sujet de ma prochaine vidéo. Donc, je vous laisse un petit peu de surprise. Pour moi, voilà, Frenchie et Kimiko, c'est l'exemple. Pour moi, Rowawin, c'est pas de la rédemption. Ils ont un axe de rédemption. Mais pour moi, c'est un axe d'émancipation. Ils arrivent à s'émanciper de leurs propres conditions grâce l'un à l'autre. Frenchie s'émancipe de la corde qu'il avait autour du cou, s'émancipe de l'autorité de Butcher, de l'autorité de Nina, de l'autorité de son père, et parvient à devenir un être humain à part entière, ce qu'il n'était pas avant, ce qu'il n'avait jamais eu. Kimiko essaye de s'émanciper de ses pouvoirs, perd ses pouvoirs, s'émancipe de ses pouvoirs qu'elle juge comme une malédiction, et retrouve un petit peu ce bonheur d'une vie qu'elle aimerait avoir, comme dans les musicals, ou d'une vie bah, qu'elle voit de son œil très naïf. Finalement, elle retrouve ses pouvoirs pour aider ses proches, parce que c'est des gens qui, les deux, se mettent de côté pour aider leurs proches. Ça, c'est leur, voilà, leur force pure. Mais Kimiko, elle s'émancipe de sa propre condition de monstre. Elle a toujours été jugée comme un monstre, elle se jugeait comme un monstre. Je trouve qu'à la fin de la saison 3, elle s'émancipe de son image. Comment dire, de son image de monstre qu'elle se fixait à elle. Et c'est grâce à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. La friendzone de la décennie. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient friendzone, moi. Pour vous, ils sont ensemble ou ils sont pas ensemble, Frenchie et Kimiko? Il y a de l'amour entre les deux. Alors, reste à savoir si c'est de l'amour-amour ou si c'est de l'amour-amitié. Moi, je vois pas spécialement de friendzone. Hein. Ah, ils s'embrassent quand même sur le truc. Elle lui dit, quand je vois mon cœur, etc. C'est pas une friendzone. Hein. C'est, pour moi, c'est, voilà, c'est... Comment dire, la French zone. De l'amour, mais ça a l'air plutôt famille. Ah, je sais pas si je mets ça sur l'accent familial. C'est une question... J'ai pas encore tourné ma voix off. Enfin, ma voix off, oui, mais j'ai pas encore tourné ma vidéo. Mais c'est une question que je poserai à la fin de ma vidéo, ça. Est-ce que pour vous, l'amour Frenchie Kimiko, c'est une friend zone, c'est un couple ou c'est familial? Parce que pour moi, ça va au-delà de... Ils se comprennent. C'est les mêmes. Ils se sont sauvés mutuellement. Ils se sauvent l'un l'autre, en fait. Frenchie est sauvé par sa rencontre avec Kimiko, au même titre que Kimiko est sauvé par Frenchie. Et tu vois que les deux sont ensemble, etc. Pour moi, c'est des rois. Hein. C'est les deux plus grands personnages qu'il y a dans The Boys, après Soldier Boy. Et ces deux titans, comme Carol et Daryl. Carol et Daryl, c'est pas pareil, ils sont jamais embrassés, c'était ambigu au début, mais c'est vite devenu autre chose quand l'un et l'autre ont eu des relations différentes. Surtout Carol, hein, parce que Daryl, bon, il a attendu, mais... Donc c'est parti vers... dans l'idée, je vois à peu près ce que c'est. Là, moi, j'attends la saison 4. Pour moi, j'attends la saison 4, parce qu'entre Frenchie et Kimiko, rien ne nous dit actuellement
Qu'ils vont pas les deux couilles d'une même pique à l'enfer. Oh là là, arrêtez, ils méritent mieux d'être comparés à une paire de burnes. Mais moi, j'attends de voir si dans la saison 4, ça restera familial, si ça va prendre des chemins séparés ou s'il y aura véritablement un rapprochement. Parce qu'il y a quand même un bisou, il y a de l'attirance entre les deux. Déjà, c'est pas une friendzone, c'est sûr. Après, est-ce qu'elle l'a embrassé? C'est ce qu'elle dit un peu à la fin quand elle lui parle. Elle lui dit, le bisou était bizarre, mais il était spécial, j'avais... On peut se demander si finalement le bisou qui se font à la fin, c'est un bisou où elle pas en mode « j'ai eu l'impression d'embrasser mon frère ». Ou alors, est-ce que c'est un bisou du style « putain, ça va tellement loin, il faut qu'on en profite jusqu'au bout ». Sur la preuve qu'on peut être âme sœur, qu'on peut être romantique sans être un couple. Bah, c'est possible, c'est possible. Butcher, Homelander. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Butcher, conseil des quatre. Homelander, conseil des quatre. On fait durer le suspense encore un peu plus. Ah là, là, il y en a un parmi ces cinq-là qui arrivera dans la case des rois des rois. Qui, c'est la grande question. La question à 1 million. On va commencer évidemment par Butcher. Bah, extraordinaire, hein, je veux dire, la classe et la prestance de de Karl Urban à son paroxysme, qui l'a mis sur un piédestal extraordinaire. Karl Urban était déjà un bon acteur avant, mais alors là, ça le met sur une espèce de pied absolument stratosphérique. Il a ce côté un petit peu, effectivement, Punisher, il a ce côté tendre, attachant, mais sans jamais le dire, parce qu'on sent qu'il ne se l'autorise pas. Il préfère rester seul et puis perdre les gens qu'il aime plutôt que de les garder auprès de lui, et bah, si jamais ça veut dire les protéger. Et ça, bah, c'est quand même hyper important. On le voit avec Ryan, on le voit avec Huey, on le voit avec d'autres. C'est le roi des punchlines. Vraiment, toutes les plus grandes punchlines de la série, c'est soit le Homelander, soit Butcher. Il n'y a rien à dire de plus, c'est soit le Homelander, soit Butcher qui vous sort les plus grandes punchlines qu'on puisse imaginer. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avec le compo CV, il a une sauvagerie flagrante. Ouais, tu sens que là... puis tu sens qu'il est quelque part, il aime un peu ça quand même. C'est ça qui est déstabilisant, c'est qu'il a une part d'ombre, de noirceur qui est hyper pertinente. Le Homelander. Le Butcher, pardon. Il est incroyable et j'ai hâte de voir sa relation avec le Huey plus fraternelle en saison 4. Si elle y est, oui, je pense qu'elle y sera. Et je pense que Butcher sera plus humain dans la saison 4, déjà parce qu'il va mourir, peut-être. C'est prévu pour. Et puis parce que, voilà, c'est plus le seul leader maintenant. Ils travaillent tous sur un pied d'égalité au sein des boys. Donc ça va être, je pense, beaucoup plus puissant. Puis comme le dit, Jor-El, le background du personnage est génial. Ce qu'on apprend quand il est pris mental droïde là, et que derrière il a la relation avec son père, la relation avec son frère, le suicide, les choses comme ça. Enfin, il y a des trucs, la perte de Becca, la perte de Ryan. Enfin, il y a des choses très très profondes qui font comprendre pourquoi c'est très très compliqué pour lui d'être aujourd'hui l'homme qu'il est, quoi. Va-t-il prendre le composé V définitif? Possible, pour se sauver, ou alors il reprendra le composé V temporaire une dernière fois pour mourir en héros. Faudra voir ce qui sera la suite de ce personnage. Et puis bon, bah écoutez, fin du top 10, on a, je pense que The Deep, Huey, Maeve, Stormfront et la crème. Je pense que dans l'ensemble des personnages qu'il y a là, c'est la crème qui mérite quand même d'être dans le top 10. A-Train, on verra selon la rédemption, mais là, à l'aube de la saison 4, il est déjà dans les bons personnages. Black Noir, là je pense qu'on a vraiment 6 personnages de qualité. Les personnages bons mais sous-exploités, est-ce qu'il y en a qui mériteraient de remonter de catégorie là? Oh, je suis pas sûr. Bah, déjà, les 3 quarts sont morts, donc ça risque pas. J'aurais peut-être mis Nina dans bon mais sous-exploité, mais c'est vrai que c'est quand même relativement osef. Bon bah insupportable, je suis désolé, ça c'est vraiment la subjectivité qui parle. Et puis, eh bien parce que les bonnes choses n'arrivent jamais seules. Le roi des rois, le suspense, insoutenable, démesuré, évidemment, le titan, Ambrosius, c'est le mec. Ah non, évidemment, hein. The Boys ne serait pas
ce qu'est The Boys aujourd'hui sans Anthony Starr. C'est dramatique qu'Anthony Starr soit découvert aujourd'hui alors qu'il était dans Banshee et que Banshee est une série extraordinaire où il est tout aussi bon, mais dans des cases complètement différentes. Mais le personnage est absolument superbe de Lucas Hood, qui est un personnage que j'adore. Mais alors là, il élève son niveau de jeu. Je dirais pas grand-chose sur le Homelander, puisque si vous voulez mon avis sur le Homelander, bah, j'en ai déjà pas mal parlé au début quand on parlait de certains personnages. J'ai fait toute une vidéo sur lui en saison 2. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je pense toujours la même chose que lui, sur l'empathie, sur tout ce qu'il représente, sur ce côté, sur besoin d'amour. Tony Truant, qui le mènera peut-être à sa perte, et puis sur la grandeur d'Anthony Starr. La seule chose que j'ai envie de dire avant de cut, c'est aujourd'hui, à mes yeux, il y a eu des personnages extraordinaires dans l'univers de la télévision. Dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, je pense aux années 2000, les Sopranos, avec le personnage le personnage principal des Sopranos. Je pense à Rick Grimes, je pense à Walter White, je pense à l'intégralité Lannister dans Game of Thrones. Je pense à Jax là c'était courant des années 2000, début des années 2010. Voilà, on a eu des personnages où à un moment donné, un acteur avait une prestance tellement extraordinaire. On a eu Sawyer dans Lost aussi, ouais, effectivement, mais Lost, il y avait tellement de personnages en tout, c'est pas tout à fait pareil. Là, je parle de séries où T'as un mec où, sans lui, c'est pas pareil. Et t'as un mec qui porte tout et qui fait passer le reste pour quasi obsolète. Je dis quasi parce que quand tu vois des Frenchies, des Kimiko, des Karl Urban, etc., ça reste du caviar. Mais quand on pense aujourd'hui à The Boys, on pense au Homelander. Quand tu penses à The Boys, tu penses Anthony Starr. Tu penses protecteur. Tu te dis, putain... Masterclass, que ce soit lui contre lui, que ce soit lui avec les autres, que ce soit en monologue, que ce soit en dialogue, que ce soit en scène, sans parler, que ce soit dans le regard, l'attitude. Je pense que là, et je m'avance peut-être un peu, hein, mais dans la décennie 2020, parce que The Boys est arrivé quand? L'année dernière, c'était la saison 2, là, ça a dû arriver en 2019 ou 2020. Je pense que dans la décennie 2020, Anthony Starr et le Homelander seront parmi les 5 plus grands rôles, alors déjà rôle d'une vie hein, pour n'importe qui, mais d'acteurs de toutes séries confondues de cette décennie-là. On n'a fait que 3 ans, 2020, 2021, 2022. Moi, je pense que dans la décennie 2020, clairement, ce sera un rôle qui restera. Et là, actuellement, si on parle actuellement, factuellement, en 2022, je pense que le Homelander est le plus grand personnage actuellement télévisé. C'est avec Saul Goodman. Voilà. Il y a lui et il y a Saul. Mais Saul, il était déjà dans Breaking Bad. Donc, il a encore élevé son niveau de jeu. Mais c'est encore autre chose. Je pense que dans les inventions aujourd'hui, etc. Pour moi, le personnage, dans ce que ça représente, dans ce que ça donne, dans l'ambition du personnage et dans l'aura du truc... Il est le nouveau Ragnar, il est le nouveau Thomas Shelby. Ragnar, c'est déjà plutôt vieux. Thomas Shelby, bah, ça vient de se finir, ça date déjà d'il y a 7 ou 8 ans, Peaky Blinders, hein, peut-être même un peu plus. Voilà, il y a aujourd'hui l'homme qui, aujourd'hui, trust le sommet des acteurs à la télévision, c'est Monsieur Anthony Starr en Homelander, pour moi. Là, ouais, il y a eu, effectivement, très bon choix, Thomas Shelby et Ragnar. C'est des mecs, ils ont porté leur série quasi tout seuls. Quasi, parce qu'il y avait d'autres personnages intéressants. Mais ils ont porté le truc, mais comme jamais. Comme Walter White l'a porté. J'ai plus le nom, mais des Sopranos l'a porté. Comme MacGyver. Non, mais vrai, ouais, bah, puis même dans les années 80-90, où t'avais des Tom Selleck, où t'avais des Richard Dean Anderson, où t'avais des gars comme ça. Alors, c'était autre chose à l'époque. Où t'avais K2000, ces mecs-là, où c'était les trusts de Tom Selleck dans Magnum, ou des trucs comme ça, c'est devenu iconique. Il devient iconique. Christian Troy, moi, j'aimerais dire oui, Christian Troy, c'est un de mes personnages préférés. Mais c'est différent, parce que Nip Tuck n'a pas eu autant de succès
Et reste une série de niches, malheureusement. La scène finale de la saison 3, j'en ai encore des frissons. La scène où il tombe en larmes et où il rigole ensuite en saison 2 quand il est face à Ryan et Karl Urban, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dernière scène de l'épisode 3 de House of Dragon, attention à Matt Smith. Il faudra voir si Matt Smith, déjà, parce que j'ai vu que ça se déroulait dans beaucoup de temps, Game of Thrones apparemment, d'un point de vue de timeline. Faudrait voir si Matt Smith est dans plusieurs saisons et si il arrive à devenir iconique sur le long terme. C'est difficile de juger sur 3 épisodes. Là, on peut avec Anthony Starr. Il a fait 4 de mieux en mieux en 3 saisons. 3 saisons, ça suffit. 3 saisons, ça suffit. Et moi, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'acteur phare, alors qui mériterait Emmy, Golden Globe, tout ce que tu veux, l'acteur phare aujourd'hui de l'univers télévisé, c'est Anthony Starr. C'est Anthony Starr. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais Anthony Starr a atteint un niveau de jeu stratosphérique qui déjà le met dans la catégorie des en devenir Ragnar, Shelby, White, Soprano. Elliot Alderson dans Mister Robot et des gars comme ça, voilà, des mecs où voilà, tu prends l'écran, quoi, tu prends l'écran et tu savoures. Et allez voir The Boys, allez voir Banshee que j'ai, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, non, c'est derrière moi, si je fais ça, si, bah regardez, c'est juste là, hop, là, ça, le coffret qu'il y a là en flou, c'est le coffret de Banshee, l'intégrale de la série télé. Foncez voir Banshee. J'aimerais vraiment que dans la saison 4, Ryan devienne incontrôlable et que ce soit le Homelander qui soit forcé de le tuer pour stopper le massacre. Ça, ce serait cool aussi. Enfin, ce serait cool. Ouais, des victimes et des morts. Wouhou, c'est le mec. Le gars, c'est un psychopathe. Alors, ce serait stylé de ouf, hein. Ce serait stylé de ouf. Le coffret ressort en Blu-ray. Le coffret de Banshee? Ah ben, je l'ai en Blu-ray, hein. Il est pas cher, hein, le coffret de Banshee. Je vais vous dire ça, mais... parce que je l'ai eu... moi, je l'avais eu sur Amazon en promo. Il est régulièrement en promo. De toute façon, Amazon, pour avoir des promos, il faut guetter sans arrêt, hein. Vraiment, il y a des promos incroyables sur Amazon de temps en temps, où c'est juste topissime. Là, il y est pas, là, par contre. Là, c'est juste le coffret DVD. Blu-ray, il n'y en a plus. Si, Blu-ray, il y en a. Alors, les gars, si vous voulez faire une bonne affaire, ne me demandez pas pourquoi, hein. Il est à 44 € sur Amazon en DVD. Il est à 40 € sur Amazon en Blu-ray. Il est à 4 € de moins et ils en ont à gogo, hein. Ils en ont plus d'une trentaine pour Banshee. Si jamais ça vous intéresse, évidemment, vous n'allez pas acheter un coffret uniquement pour me faire plaisir, je m'en doute bien. Mais j'avais eu le coffret de Mad Max aussi, que je me suis pris là, il y a pas longtemps pour le décor, que vous devez voir normalement pareil de l'autre côté, mais ça ce sera quand je remettrai l'autre, qui est actuellement en promo à 84 € au lieu de 90. Moi je l'ai eu moins cher, je l'ai eu à 79 je crois. C'est toujours 10 balles d'économiser. Il y a souvent des petits prix comme ça sur Amazon. C'est intéressant d'en profiter. Il y aura bientôt le... C'est quand le... Comment ça s'appelle le truc où tout le monde achète tout ce qui bouge? Le Black Friday. C'est pas en octobre ou en novembre? Ouf, ça c'est bientôt là. Il était déjà à ce niveau avec Banshee. Alors, Lounès, mon cœur a envie de te dire oui, parce que Banshee, je trouve que c'est une série incroyable. Ah, putain, j'ai les crampes de merde. La raison me fait me dire que non, parce que Lucas Hood était phénoménal, oui, dans Banshee, Anthony Starr, mais il avait moins de choses à faire. C'était moins compliqué. C'était moins... méga rentre-dedans, et où le mec joue tout. Enfin, il joue vraiment tout en Homelander. Alors que en Lucas Hood, ça demande moins d'interprétations différentes, peut-être moins de difficultés, même si c'est un rôle extraordinaire. Mais de toute façon, Anthony Starr, revoyez la vidéo que j'ai sortie sur lui, vous comprendrez pourquoi ce mec est prodigieux, hein. Mais c'est un acteur extrêmement sous-coté. Il ressort à la FNAC, mais à 48 €. Profitez-en sur Amazon. Ils en ont plein là sur Amazon, ils ont coffret DVD, coffret Blu-ray à 8 € de moins. Hein. Moi 95 dans mon Amazon Canada, c'est encore plus cher. 95 $? Ah ouais putain c'est cher, ouais, effectivement. Alors, un t-shirt Better Call Saul sur Amazon, je me sens faible et le plan économe. Sur le plan économe tout à coup. Je sais pas s'il y a des t-shirts je vais regarder. S'il y a des t-shirts du Homelander sur Amazon. T-shirt The Boys. Oh, des t-shirts de The Boys, il doit y en avoir pas mal, je pense.
Après, il y a des t-shirts du Homelander, mais est-ce que c'est Anthony, est-ce que c'est Anthony Starr? Ouais, si, c'est Anthony Starr. I can do whatever the fuck I want. Ah si, il y a les 7. Il y a... Ah si, putain, il y en a quelques-uns avec... Ah, il y en a un beau avec Butcher. Et puis j'ai vu les Pokémon aussi, j'ai pas compris pourquoi, mais... Moi qui voulais me prendre des t-shirts sur CM Punk, d'ailleurs, je vais peut-être attendre un peu. Ah ouais, il y a des t-shirts sur Better Call Saul qui sont incroyables. Je crois qu'il est en rupture, celui-là, non? Eh non! Livré entre le 17 et le 22. Putain, il est stylé de ouf, celui-là, seulement 16 balles. Eh putain, ça risque peut-être... Putain, tu fais chier, Rowan. Du coup, ça va peut-être partir sur un ou deux achats saillants. Los Pollos Hermanos, ça aurait été cool aussi. Il y en a un qui est vraiment sympa, Better Call Saul en gris. Qui pourrait être sympa pour les vidéos, en plus. Ton avis sur l'affaire Punk? Je suis dégoûté. Je suis blasé. Et je pense que Punk n'est pas le fautif. Je pense qu'il y a des merdes qu'il a fait, c'est sûr, mais je pense qu'il n'est pas le fautif principal. Tout le monde lui chie dessus, alors que tout le monde a oublié que ça lui suçait le sexe pendant un an, là. Les retournements de veste sont incroyables, et non, je suis pas mal dégoûté, pour être honnête. Je suis pas mal dégoûté, mais bon. Il y a Thibaut Pinot en tendance. D'accord. Bon, bah sur ce, messieurs, dames, on va se remettre dans le lobby YouTube traditionnel. Voilà. Et puis, on va se dire au revoir pour ce soir. J'espère que cette tier list vous aura plu. Elle fut saillante. Bon, à part, pas trop de difficultés, à part pour Stella, où c'était le choix du cœur, hein, ou de l'anti-cœur plutôt. Mais sinon, bah écoutez, c'était très cool. Je sais que tu veux plus traiter de Walking Dead, mais que penses-tu du fait que les films de Rick soient annulés en tant que film? C'est un scandale. C'est exactement pour ça aussi que, bah aujourd'hui, moi, je veux vraiment, comment dire, je veux vraiment plus entendre parler de la série. C'est parce que vraiment, ça fait des années que je vous dis que ça nous prend pour des cons, ça pendait au nez, et pour moi, il faut boycotter cette merde. Hein. Et toutes les merdes qui sortent, qui sont que des produits vache à lait sans aucune qualité. Donc, refaire une mini-série alors que t'avais promis 3 films, etc., t'as les yeux plus gros que le ventre, et puis tu passes pour des glands, et ils passent pour des cons, hein, clairement. Mais enfin bon, en même temps, c'est leur faute. Et moi, ça me donne pas du tout envie de me remettre là-dedans, sachant que je trouve que c'est une catastrophe, quoi. Tu as pas capté mon don avec ma question. Ah merde, j'ai pas vu Maximus, attends, je remonte. Merci beaucoup pour ton don, Maximus. Tu penses pas que Jeffrey Dean Morgan peut succéder à Anthony Starr en tant que grand antagoniste de la série, ou alors elle devra se conclure? Est-ce que déjà Jeffrey Dean Morgan sera un antagoniste? On n'est pas sûr. Ça peut être un protagoniste, ça peut être un gentil. Quel rôle il va avoir? Est-ce que ce sera un soutien d'antagoniste? Moi, je suis très curieux de son arrivée. Alors que la série doive se conclure, je pense que ça doit pas aller au-delà de 5 saisons. 4 ou 5 max, mais je pense qu'il faut pas non plus tirer sur la corde à outrance pour s'arrêter au bon moment. Je connais pas les comics, donc je sais pas exactement quand et où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter. D'un autre côté, à mon avis, c'est une série qui doit pomper pas mal de budget, donc du moment qu'ils l'ont, tant mieux, mais faudrait pas tomber dans des choses qui seraient à un moment donné moins pertinentes. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer. Si le comics est différent, ils ont une marge de manœuvre plus intéressante, comme dit Benji Labu, mais en tout cas, s'ils ont annoncé 5 saisons, comme tu dis, moi ça me va. Je pense qu'il en faudrait pas plus, mais voilà, ouais, je pense que Jeffrey Dean Morgan sera très intéressant. Je suis très curieux de voir le rôle qu'il aura. J'espère que ce sera pas un rôle de procuration, un petit rôle de merde, etc. Moi, je vous dis honnêtement, voir un Jeffrey Dean Morgan qui jouerait un mec inattendu en mode Batman, c'est-à-dire un super qui a pas de pouvoir, mais qui ressemble à Batman, pour lutter un petit peu, qui serait parmi les nouveaux membres des 7 ou des trucs comme ça, et qui serait pote avec le Homelander, ce serait marrant, parce que Jeffrey Dean Morgan avait été pressenti pendant longtemps pour jouer Batman dans The Flash, une des versions de Batman dans The Flash, dans le Flashverse, et puis, il avait joué le père de Bruce Wayne dans BVS, dans Batman v Superman. Donc ce serait très drôle de le voir incarner une sorte de Batman, voilà, mais version The Boys. Moi, je miserais pas mal là-dessus. Un mec plein aux as, avec plein de thunes et des trucs comme ça. Et puis pourquoi pas qui foutrait le bordel quelque part. Moi, c'est ce que j'aimerais bien voir du côté de Jeffrey Dean Morgan, quoi. Sur ce, merci à tous d'avoir été là. Merci pour les dons, comme d'habitude, très généreux. Je vous dis sur YouTube à samedi pour la vidéo, donc sur Frenchie et Kimiko, où j'y reviendrai beaucoup plus en détail. Et sinon, pour tous les autres,
Rendez-vous demain. Demain, on est quand? Demain, on est quoi? Demain, on est vendredi, hein. Rendez-vous demain, vendredi, pour, eh bien, évidemment, la suite de nos aventures sur le dernier d'entre nous, The Last of Us. On continuera ça demain soir à partir de 21h. Enfin, 21h, vous le savez, il y a du talk et on commencera à jouer vers 21h30-35. Le talk sur Twitch, c'est simple. On parle de toute l'actualité, on parle de tout et de rien. La plupart du temps, c'est cool. Jeudi prochain, tier list Stranger Things. Vidéo sur Stranger Things aussi samedi prochain. Voilà, vous êtes au courant sur toute l'actu des prochaines semaines. Passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bisous.